1-2-1-2, parfait, ça marche. Vous m'entendez, Jérôme? C'est bon? Très bien. Ah là, on va avancer tout ça. Là, c'est bon. Là, j'ai mes trucs. Jean-Yves, c'est là. Monsieur le maire. Charles, il va bien, Charles? Bien, je vais vous demander de vous installer. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est là. Non, bah, Daniel, ouais, allez. Ou oh, Ossine, Ossine, Ossine. Il va, tu vas faire le secrétaire de séance aussi. Très bien. Bravo. Et puni. Ça change. Richard, ça va? Oui, c'est vrai, Richard. Tu vas bien? Vous aussi? Super. Ça va alors? Oui. T'es tout prêt? C'est bon? T'es tout prêt? Bien, bien écoutez, on va pouvoir commencer le conseil municipal. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Merci de votre présence. Remercie également la presse, le Progrès qui est présent. Monsieur Serge Padiliero, on a aussi en ligne, on tient à la saluer Anne Jaillette qui s'est excusée mais qui nous suit avec une grande attention sur Facebook. Je tiens à saluer le public qui est présent physiquement aussi et qui suit nos travaux et également les personnes qui sont en direct via Facebook. On a le quorum, donc je peux annoncer l'ouverture de la séance. Je vais lire les pouvoirs. Donc, Claude Breuil à Ossine Pengraille, Manon Turchi à Jean-Yves Edon, Angélica D'Acosta à Marie-Hélène Deschamps et Anaïs Boutemi pour Sylvie Schreiber. Voilà pour la lecture des pouvoirs. On va nommer un secrétaire de séance. Il sera donc, ça sera cette fois Ossine Pengraille. Merci Ossine d'assurer le secrétariat. Le PV du 21 février 2022. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur ce PV? Oui. Monsieur Méran. Appuyez, allez-y, il faut que ça soit rouge. C'est rouge ? C'est bon ? Oui, monsieur le maire, je voudrais revenir sur un point, puisque j'ai lu avec attention le compte-rendu qui a été fait. Le point sur l'intervention que j'ai faite à l'occasion de l'affaire du carré musulman, oui, et la remarque que vous m'avez faite. Je ne vous cache pas que j'ai été assez blessé par cette remarque, en tant qu'être humain et en tant qu'élu, que vous faisiez dans l'instance du conseil municipal. Donc, je voulais vous dire que les élus de la République appartenant au groupe Belle Alternative et RPB sont les représentants de toute la population, que contrairement à votre sous-entendu, ils ne pensent pas avoir une position communautariste susceptible de donner des idées à d'autres. Leur conception de la laïcité est le contraire d'une laïcité rétrograde. Elle défend la liberté de conscience et place toutes les religions à égalité de droits et de devoirs
au sein de la République. Il y a 45 000 clochards. Attendez, monsieur Mérand, excusez-moi. Oui. Là, on parle. Je vais pouvoir vous laisser vous exprimer, il n'y a pas de souci. Mais simplement sur le PV, est-ce que vous avez une remarque ou non ? Sur son contenu. Sur son contenu ? C'est non. Ça mon sujet. Ah oui. Non. Donc mais... très bien. Ce que je vous propose, on en parle en fin de séance. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et on mettra votre sujet à l'ordre du jour. Pas de problème. Et avec plaisir pour vous écouter. Nous faire ces remarques, mais là c'était simplement revenir sur le PV. Donc sur le PV, pas d'observation, remarque, on peut valider le PV. Merci à vous et on mettra donc votre intervention en fin de conseil. C'est noté. Alors les décisions du maire. Vous les avez derrière moi, ça fonctionne, chère Catherine. Décision du maire, on peut les afficher. Merci. Donc vous avez des tarifs spécifiques voilà, pour les spectacles de l'intégrale, avec les montants, notamment voilà, aux détenteurs de la carte passe région, 15 euros. Voilà, donc tout ce qui est tarification spéciale, vous les retrouvez. Vous avez aussi les travaux de reprise sur les concessions funéraires. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions ? Si pas de remarques, nous pouvons avancer. Très bien. J'annonce dès maintenant le prochain conseil municipal qui aura lieu le 16 mai à 18h30, le lundi 16 mai à 18h30, à l'hôtel de ville, toujours, je l'espère. Je me suis permis, c'est vrai, et sous influence d'Annie Delpont, de vous proposer de mettre les masques quand même ce soir, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de cas, ça circule, donc on essaye quand même de faire preuve un peu de prévention. Je rappelle également les votes pour la présidentielle, donc j'appelle évidemment chacun à s'exprimer et à faire son devoir de citoyen, les 10 et 24 avril, avec une précision importante, les bureaux de vote seront ouvert de 8h à 19h. D'habitude, c'est 18h, donc là, c'est de 8h à 19h pour les présidentielles, et avec voilà, une organisation toujours bien réglée par Catherine Sâtre, qui a donc traité les différents bureaux de vote. Très bien, j'ai quelques infos du maire. Je vais aller assez vite parce que j'en ai quelques-unes. Nettoyage de printemps, ça a été voilà, samedi dernier, une première à Belley, avec un ramassage des déchets organisé par la ville de Belley et le soutien de la communauté de communes. Je tiens à remercier tous les élus du conseil municipal qui se sont déplacés pour cette action qui a eu lieu samedi après-midi, les agents de la ville, les bénévoles et surtout les enfants. J'ai eu beaucoup d'enfants qui ont participé à cette action, donc c'est très bien. On fera encore mieux l'année prochaine en termes d'organisation, parce que là, on était toujours dans... sous couvert de Covid, pas Covid, contraintes sanitaires ou pas. Donc on fera aussi un petit pot à la suite. Là, on avait encore hésité. On va aussi envisager une journée de l'environnement sur l'automne. Une journée environnement à Belley, toujours en partenariat avec la communauté de communes Bugey Sud, parce que c'est bien elle aussi qui a quand même principalement cette compétence. Avec une action de sensibilisation auprès de la population, cette fois pour évoquer les thématiques que nous abordons sur ce mandat. À savoir la réduction de la pollution lumineuse, la performance énergétique, l'éco-responsabilité, c'est des thèmes qu'on souhaite mettre en avant et l'idéal, ça serait de pouvoir le faire bien en cœur de ville, essayer de sensibiliser un maximum la population sur tous ces sujets. Donc ça, c'est en cours de travail auprès de la commission environnement, Jean-Yves Hédon, avec, je sais, Richard qui est très mobilisé là-dessus et les autres membres de l'équipe sur cette thématique. Info sur la friche de l'hôpital. Vous savez que notre combat, c'est de trouver un promoteur, un privé, en tout cas quelqu'un qui se réapproprie le bâtiment MCO que vous connaissez, le grand paquebot qu'on voit au-dessus de la ville. Ce gros bâtiment est associé derrière la maternité. Donc on a rencontré, il est vrai, beaucoup de promoteurs ces derniers temps avec Marie-Hélène Deschamps, l'urbanisme, qui s'intéresse à la ville de Belley, tant mieux. Donc nous, on les oriente sur les différentes friches et c'est bien tombé puisque un des promoteurs s'intéresse fortement à ce bâtiment et dans le cadre d'une réhabilitation. Donc une signature est imminente
et en lien évidemment avec Madame Vieux qui est la directrice de l'hôpital, puisque je répète que ce bâtiment est propriété de l'hôpital. Donc on aura la présentation de leur projet très prochainement. Donc on vous en parlera également. C'est un projet privé, mais je pense que c'est important de pouvoir le communiquer. Friche, j'ai pas encore le contenu du, mais ça sera logement, oui. Ce que j'entends, oui, principalement. Friche Percevaux, vous savez tout ce qu'on a fait pour cette friche, le rachat via l'EPF, l'appel à projet. Il s'avère qu'un acteur privé s'est positionné sur notre appel à projet. Tant mieux, très bonne nouvelle. Le sujet va être à l'étude, pareil auprès de Marie-Hélène Deschamps, qui va étudier ça. Donc les gens ont répondu dans les temps, ça va être une bonne nouvelle et c'est toujours le combat de nos friches et surtout la revitalisation de la ville qui est en cours. Et si on peut faire sortir un... Alors là, ça aurait été assez rapide hein, au final. Si on peut ressortir un projet là-bas rapidement comme ça, tant mieux. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Alors les différentes infos sur les travaux de la ville, même si cette info devrait être faite par Dominique Cano, mais il me laisse un peu la main là-dessus, parce qu'il suit tous ces travaux et je le remercie. Tous les travaux de la ville. Donc on a Avenue Off, côté intégral. Vous avez vu qu'on a, à la suite des travaux sur... qui ont été faites par la régie de l'eau et de l'assainissement. On a traité le trottoir, donc c'est une réalisation qui est en cours du revêtement du trottoir, des accès PMR, et avec une végétalisation qui a été améliorée, parce que ça c'est un trottoir qui depuis des années et des années, voilà, il y avait beaucoup de plaintes, et puis c'est vrai que les racines posaient problème. Donc l'idée c'est d'être un peu intelligent dans nos travaux. On fait à la fois les réseaux, mais pourquoi pas faire aussi, si on le peut en tout cas, eh bien... retravailler la voirie, les abords, c'est ce qui est fait. Donc il y a aussi le remplacement des lampes par des lampes en LED sur ce secteur. Il y a la mise en place de la zone 30 km dans l'hypercentre, vous l'avez vu. La zone a été réalisée avec le marquage au sol et les panneaux réglementaires. Viendra l'implantation d'un coussin berlinois rue de la République, juste avant la place des Fours. J'ai encore croisé du monde ce week-end. Il y a aussi une forte attente sur Paul Chastel, à proximité de Paul Chastel, juste avant l'école, avant l'institution Lamartine. Voilà, j'ai des riverains qui se plaignent encore de la vitesse. Même si on est passé à zone 30, il y aura un travail, je sais, qui est fait pour faire un plateau sur ce secteur. Secteur Vieille Porte, la réparation des éclairages publics a enfin été traitée rue Saint-Jean et Grande Rue. Donc c'est une très bonne nouvelle, avec le gros problème qu'on a eu avec Enedis, un problème technique assez important. Donc on a retrouvé enfin de la lumière en bas de la Grande Rue. Il y a un nouveau point d'éclairage qui a été installé aussi sur le bâtiment Vieille Porte. Et c'est pour finir la création par le service environnement et domaine public d'un espace végétalisé entre la place Vieille Porte et place Baudin, avec le marquage du stationnement VL et le marquage des places pour les personnes en situation de handicap sur la rue de la Résistance, Grande Rue et place Baudin. On est aussi en cours de consultation pour identifier notre AMO qui va nous accompagner pour travailler cette place Baudin et en concertation avec les habitants. C'est le gros dossier de cette année pour Marie-Hélène. On lui souhaite plein de succès sur ce dossier qui est très attendu par la population et par les riverains notamment qui sont sur ce secteur. Rénovation de l'Halle Gonnet. Eh bien, les travaux ont démarré donc, par la réalisation d'une rampe PMR. Et le chantier est prévu du mois de mars au mois d'août sur le chantier Gonnet. N'hésitez pas à les possibilités de passer pour les élus. Hein. Vous avez tout le loisir, évidemment en sécurité, mais d'aller vous intéresser aux travaux qui sont faits par la collectivité. Réservoir de Champaillon, la phase de construction du réservoir a démarré et la mise en eau est prévue en juillet. Je regarde Madame la Présidente, je pense qu'on est là-dessus. Stade Diano et Coiffet. Alors vous savez qu'on a, pareil, hein, comme je l'ai toujours dit, on a toujours attendu, malheureusement, dans nos différentes gestions, alors sur le précédent mandat, parce qu'il nous manquait des finances, sur d'autres, peut-être qu'on n'a pas assez anticipé les mesures préventives, mais en tout cas, on est allé au bout du bout des éclairages sur le stade Diano Coiffet, avec des relampings qu'on a dû faire à plusieurs reprises, malheureusement, avec des ampoules qui pétaient, l'installation qui n'était pas... aux attentes, et là on a remplacé tous les projecteurs et les lampes par des systèmes de LED sur le Diano et Coiffet. On anticipe un peu la plaine sportive, mais là c'était
urgent d'intervenir puisqu'ils étaient dans les entraînements un peu dans le noir, dans certains secteurs. Donc ils sont bien contents et on sera très contents quand ça sera tout installé, cher Jean-Michel, on ira voir sur place. Pardon ? Mercredi terminé. Plan de modernisation de l'éclairage public pour réduire la pollution lumineuse. C'était dans notre programme et c'est en action puisqu'on remplace les lampes par des LED pour l'instant sur les axes entrants de la ville, donc avenue Hoff, Narvik, route de Saint-Germain, route d'Arbigneux, route de Brins, route de Bourg, route de Lyon. Donc c'est aujourd'hui 200 lampes LED qui ont été installées. Je vous invite à voir le résultat. Et puis surtout, on viendra mesurer les bénéfices, puisque pour l'instant, on les a installés, mais ils ne sont pas programmés. Donc il va falloir qu'on les programme justement pour réduire l'intensité, réduire la pollution. Enfin, déjà qu'on est déjà de changer de technologie, ça nous va nous faire des économies, mais de venir aussi réduire la luminosité, notamment à des heures où il y a peu de trafic, ça va nous apporter évidemment beaucoup. Pour finir, la mise en valeur aussi végétale des espaces à proximité des voiries. Et vous avez dû le voir au niveau du rond-point à côté du centre technique municipal, la création par le service bâtiment et environnement d'une gloriette avec plantation de plantes grimpantes. Donc ça, c'est suite à la commission fleurissement, chère Annie Cluzel, où on donne quelques orientations au service. Et aujourd'hui, ils nous font des réalisations voilà, très intéressante, et puis ils sont complètement investis, et l'idée c'est de venir évidemment travailler la mise en valeur, la végétalisation de la ville. Voilà pour les infos que je voulais évoquer avec vous, et donc nous allons passer au conseil municipal. Y a-t-il des questions pour la fin de conseil? Excusez-moi. Il n'y a pas de questions. À part Monsieur Bernard Mérand, son intervention. Oui. Je voulais revenir un petit peu sur le fond chaleur, c'est ma marotte, mais. Sur le, pardon? Sur le fond, sur le réseau de chaleur. Pardon. Le réseau de chaleur. Oui. Par Karim Smi. Très bien. Oui. Et donc je voudrais. Ok, monsieur. C'est monsieur Salagnon. Et puis Bernard Mérand. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Non, fin de conseil, c'est bon? Jacques? Non. Si, ça va? Oui. Alors. On va passer à l'ordre du jour. Donc, premier sujet à l'ordre du jour, notre intention de vendre le tènement immobilier qui est donc derrière nous, donc dans le cadre de notre volonté de revitaliser la ville qui fait le cœur de notre programme, dans le cadre également de notre stratégie patrimoniale. Nous souhaitons annoncer officiellement aujourd'hui la vente du tènement où est concernée l'ancienne crèche et l'ancien presbytère. Donc vous le voyez ici, on va retrouver les parcelles AK728 pour 840 m², AK683 pour 1072 m², AK684 pour 1641 m² et AK685 pour 852 m². Donc c'est une intention de vendre, ce qui est soumis ce soir au conseil municipal pour votre validation. Suite à ça, il y aura l'évaluation par les domaines de ces biens. Donc notre volonté, hein, notamment dans le cadre de la stratégie patrimoniale, je l'avais déjà évoqué, on a de nombreux bâtiments qu'on doit assumer. On ne peut pas les assumer tous.
et notamment sur secteur, aujourd'hui on a déménagé Bulle d'éveil, il faut rapidement réfléchir à la requalification de cet aidement. Je rajouterai à côté, sur la parcelle 132 que vous devez avoir, voilà, vous avez Marguerite Marie. Nous sommes évidemment très en contact avec la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, puisque Marguerite Marie est propriétaire de... la congrégation est propriétaire de Marguerite Marie. Donc l'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, de façon concertée, coordonnée, pour travailler l'ensemble de l'îlot. Je ne vous cache pas, évidemment, que j'ai prévenu la présidente du Bridge Club, également, pour, par correction, l'interpeller avant de la délibération qu'on vous présente ce soir. J'ai évidemment appelé Marc Lapierre sur le tènement que vous allez voir sur l'huile à la partie 136 et 137, pour qu'il soit évidemment informé de notre démarche. L'idéal, je ne vous cacherai pas, ça serait de pouvoir traiter le tout d'une seule traite. On va essayer d'œuvrer dans ce sens-là. Il y aura surtout ensuite, à la suite de l'évaluation par les domaines, la volonté de la collectivité de rentrer dans un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Juridiquement, on n'a pas encore cadré les choses. Ce qui est très clair, c'est que tous les investisseurs, tous, auront la possibilité de candidater à cet appel à projet ou manifestation d'intérêt à définir et venir se positionner avec un projet qui répondent aux attentes, sachant qu'on va essayer d'être le plus... On ne va pas être trop précis dans les attentes non plus, puisque nous, on n'a pas de projet public sur cet espace, donc c'est surtout de faire confiance aux acteurs privés qui, eux, vont venir avec leurs projets, leurs investissements, et nous proposer une requalification, et notamment à côté de la cathédrale de Belley, sur un périmètre SPR, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça sera très encadré par le PLU, par le SPR, et puis par un AMO qui va venir nous accompagner pour sélectionner de manière très transparente les meilleurs candidats. Et vous aurez d'ailleurs à choisir, messieurs, dames, sur le candidat qui aura fait la meilleure proposition. Karim. Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion de reloger les associations et de trouver peut-être un projet là-dessus? C'est une question. Est-ce que ça a été évoqué? Très bonne question, oui. Évidemment, puisqu'on peut se dire, tiens, pourquoi pas intégrer les associations sur cette partie de l'ancienne crèche. Le problème, c'est que le bâtiment n'est pas du tout adapté. Et l'idée, c'est quand même de réduire notre voilure en termes de bâtiment, parce qu'on ne peut pas tout porter. Certains locaux ne s'adaptent pas aux attentes, donc l'idée pour les associations, c'est de requalifier le besoin. C'est ce qui a été fait par les associations, parce que je ne vous cache pas qu'on est en train de travailler sur un plan B par rapport au diocèse, par rapport à Saint-Anthelme, parce qu'aujourd'hui en l'état on ne pourra pas rester on ne pourra pas pérenniser notre positionnement sur Saint-Anthelme. Donc il est vrai que ça ne s'adapte pas, l'ancienne crèche ne s'adapte pas à ce type d'activité. C'est encore évidemment des grosses surfaces à entretenir. Et quand on regarde, il y a aussi tout le parc, Karim, qui est autour de la crèche. Et forcément, ça a une valeur foncière. L'idée, c'est quand même de revenir, travailler un ensemble, un bloc. En tout cas, c'est notre intention ce soir pour faire avancer la ville, pour redonner de l'attractivité, pour refaire vivre des quartiers, c'est toujours dit dans le programme. Il faut qu'on redonne de la vie. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. À part celui qui reste, c'est Marc Lapierre, qui est sur le secteur et donc, comme je le disais, le Bridge Club. Et il faut qu'à un moment, on ne tarde pas, parce que plus on laisse le temps passer, plus les bâtiments s'abîment. Il faut les entretenir. Ça a des coûts de fonctionnement. Et il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et la décision, aujourd'hui, c'est de céder. Karim. Et les anciens locaux de Marguerite Marie, est-ce que vous avez des... C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que Marguerite Marie, c'est le 132 que j'évoquais. Ah oui, d'accord, excusez-moi. D'accord, ok. Et on a pris contact directement avec M. Mortier, qui est évidemment prêt à travailler avec nous. On a déjà une première étude où on est en train de débattre dessus, mais l'idée, c'est quand même rapidement de lancer un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt.
pour eh bien, que ces privés se positionnent, puisqu'aujourd'hui on intéresse du monde, tant mieux, mais il faut pouvoir les cadrer dans ce type de schéma. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, ce sont des problèmes que beaucoup de Beaulaisans se posent. Hein. On passe devant des réflexions, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on devrait faire ci, on devrait faire ça. Enfin, tout le monde a des idées sur ce qu'il faudrait faire de ces bâtiments. Mais en effet, ça n'apporte à peu près aucune réponse pratique. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire, je sais pas, le service urbanisme, quelque chose comme ça, un jour, une demi-journée ou un matin, ouvrir ces locaux de manière à ce qu'ils puissent être découverts. Et à ce moment-là, ça aide pour ceux qui ont des idées ou qui, au contraire, ont des griefs, ont des remarques, voilà, ça donne des idées. Je prends un exemple. Vous savez que la vieille porte, l'école de la vieille porte, a fait l'objet aussi, à un moment donné, lorsqu'il a été question de la vider, de remarques comme ça. Les gens disaient, ben, il faudrait faire ci, il faut absolument garder, etc., etc. J'avais organisé une visite avec le budget, et lorsque nous sommes sortis de cette visite, tout le monde était à peu près convaincu qu'on ne pouvait rien en faire d'autre. Rien en faire d'autre que de la remplacer par un bâtiment actuel. Voilà. Donc je suggérerais cette idée de parcourir, parce que c'est grand, hein, c'est plus de 4000 m². Bien peu de gens savent comment c'est organisé à l'intérieur, et ce serait peut-être une manière d'approcher le problème intéressante. Alors, M. Salagnon, c'est très bien ce que vous dites. De toute façon, les personnes qui seront intéressées par cet événement auront la capacité, un, de participer à tout ça, puisqu'ils pourront répondre à l'appel à projet que nous allons lancer, ils pourront visiter les locaux, et voilà, prendre le temps nécessaire de réfléchir à ce qu'ils souhaitent faire en termes de requalification. Je parlais du public, des Beaulaisans. Mais le souci, M. Sagnon, c'est que je reçois souvent des gens qui ont plein d'idées. Oui, c'est pour ça. Mais il faut de l'argent. Et ici, il faut beaucoup d'argent. Parce que là, il va falloir des millions pour réinvestir. Excusez-moi, juste, vous n'avez pas compris le sens de mon intervention. Je n'interviens pas sur les idées des Beaulaisans. Je veux dire qu'il y en a, il y a beaucoup de gens qui font des critiques, mais qui ne connaissent pas le terrain, la difficulté du terrain. C'est des individus, c'est des citoyens, c'est pas des gens qui vont investir. Mais c'est des gens qui font des réflexions. Donc il est bon, des fois, de faire ou d'ouvrir les portes, les gens se rendent compte, et après, les réflexions, ben, ma foi, voilà. Elles disparaissent ou elles se transforment. Une sorte de journée porte ouverte, d'accord. C'est ça. Ou de patrimoine. Voilà. Ça peut être, sur la journée du patrimoine, ça peut être intéressant. Voilà, par exemple. C'est vrai que là où je vous rejoins, c'est qu'on a souvent des critiques du style « Vous devriez faire ça, c'est très facile. » Ils pensent que le Marguerite Marie, c'est à la ville de Belley, c'est pas le cas. Ils pensent qu'on peut reloger plein de gens à la crèche. Le presbytère, c'est vrai que le presbytère, là vous avez raison, M. Sagnon, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent que le presbytère, ça appartient à la ville de Belley. Et c'est une très belle maison. Et on pourrait, chère Annie, l'inscrire aux journées du patrimoine. Et Marguerite Marie, pourquoi pas, si on s'accorde avec M. Mortier, pour l'intégrer dans cette journée, pour que chacun comprenne un peu la complexité de ce dossier. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Philippe Rodriguez. Un motif, Philippe ? Non, tu... Non, un peu... D'accord. Donc, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Très bien, merci à vous. Donc, comme je vous disais, la prochaine phase, estimation par les domaines, choix
d'un cabinet qui va nous accompagner, voilà, par une préétude et donner quelques schémas de principe de requalification de cette zone, où on a un PLU qui est aussi qui contraint beaucoup, hein, parce qu'on va pas pouvoir réinventer et faire des commerces, par exemple, ce qui n'est pas possible. Voilà, et donc on vient vers vous pour vous donner des nouvelles. Alors, forêt communale de Belley, intervention de Jean-Yves Védon, premier adjoint. Bien, merci monsieur le maire, merci mes chers collègues. La délibération que je vais vous soumettre porte sur le programme de coupe proposé par l'Office national des forêts pour l'année 2022 en forêt communale relevant du régime forestier. Les types de coupes, le type de coupe est régulière, c'est-à-dire qui sert à maintenir un couvert arboré permanent sur les parcelles 6A et 11A pour une surface à parcourir de 21,3 hectares. Et ces coupes avaient été prévues pour l'année 2021 et elles sont proposées pour l'année 2022 suite à la crise sanitaire et aux intempéries climatiques. Le type de coupe est en amélioration pour la parcelle 2. Alors, amélioration, c'est permettre d'éclaircir la forêt pour permettre aux beaux arbres de bien pousser, qui a une surface à parcourir de 7,6 hectares. Et pour la parcelle 10, les coupes initialement prévues pour 2022 sont reportées en 2023 pour des raisons commerciales sur la proposition de l'ONF. Concernant la parcelle 11A, le bois sera vendu sur pied avec mise en concurrence. Et pour les parcelles 2 et 6A, le bois sera vendu en gré à gré. La commission environnement nouvelle technologie a donné un avis favorable. La commission des finances a donné un avis favorable et je vous demanderai de vous exprimer sur cette délibération. Des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Et nous allons passer avec Richard Bénistan, adjoint aux finances, sur le taux de la fiscalité 2022. Oui, merci monsieur le maire. Donc, taux de fiscalité, en fait, c'est extrêmement simple. C'est comme l'an dernier. On reconduit les taux qui n'avaient pas changé, qui ne changeront vraisemblablement pas, si je fais référence au DOB qu'on a vu la dernière fois. Et donc, effectivement, les taux sont à 30,82 pour le foncier bâti maintenu et le foncier non bâti, 49,05. On rappelle qu'ils avaient fait l'objet d'une intégration du taux qui provient du financement à l'époque, avant la réforme de 2020, qui proviennent donc des taux qui étaient applicables au département de l'Ain. Voilà, donc c'est la reconduction, comme l'an dernier. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Écoutez, merci. Donc, délibération suivante. Donc, on propose ce soir de passer en revue les résultats des différents budgets pour l'année 2021. Donc, on prend une délibération pour la reprise anticipée au budget primitif des résultats de l'exercice antérieur, l'affectation des soldes et la couverture des besoins de financement en section investissement. Donc, comme chaque année, l'affectation définitive des résultats n'interviendra qu'après adoption définitive du solde par vote des comptes de gestion et comptes administratifs qui auront lieu au mois de mai. Donc, on attaque effectivement pour l'année, alors pour le budget communal, pardon, donc l'investissement. Donc, on a un excédent de clôture d'1 889 002. pour l'année 2021, qui, additionné au résultat antérieur cumulé, amène l'excédent de clôture au cumul à 1 893 000. Comme vous le voyez à l'écran, il y a un reste à réaliser cependant de 360 000 euros en budget d'investissement. Sur le fonctionnement, on a un excédent résultat d'exercice d'1 200 000, qui vient se cumuler à un excédent cumulé antérieur de 534 800, donc un excédent de clôture d'1 737 441 €. Donc l'affectation qui est proposée, on le voit à l'écran, c'est en investissement résultat reporté, recettes, et en fonctionnement résultat reporté en recettes pour 737 440. Le million qui reste sera reporté lui en compte 106,8.
et la commission des finances a émis un avis favorable. Alors, peut-être faire juste une remarque, enfin, sans attendre, disons, peut-être la question. C'est vrai qu'on a un excédent en investissement, je remonte à 1,889 qui est élevé cette année. C'était ça. Ah, c'était la question. Oui, vous savez, je... Non, mais elle vient évidemment à l'esprit de chacun et de chacune. Donc, cet excédent provient en fait d'opérations antérieures qui ont été menées à bien cette année par Madame Briand et son service. Laure qui est donc présente. En fait, quand on est arrivé, on a essayé de demander au service d'accélérer sur le remboursement du FCTVA, qui était très en retard. Donc ils ont fait un travail intensif pour récupérer sur l'année 21, donc, 1 243 000 euros de FCTVA qui dataient des années 17, 18, 19 et 20. Donc là, on est à jour. Donc ça explique déjà une grosse partie de cet excédent d'1,9 million. Et là, le reste, ça provient aussi d'un solde de subvention concernant la construction de bulles d'éveil qui effectivement a été livré en avril 21 et le solde de subvention qui est tombé sur 21, construction qui avait été largement entamée les années antérieures. Voilà, ça ne se reproduira pas. Profitons-en. Voilà, donc j'ai pas d'autres questions à vous soumettre. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'en ai une, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ah. Alors il se trouve que comme vous le savez, et depuis notamment la dernière discussion sur le DOB de manière très claire, on a quelques investissements prévus. Et donc ces excédents, non c'est vrai que sans trêve de plaisanterie, assurer les excédents est un enjeu important puisque ça nous permet d'autofinancer comme on l'a vu, hein, ça ne sera pas neutre dans les différents moteurs qui vont alimenter l'arrivée de cash pour financer les investissements comme on l'a vu. Donc on peut dire que 2020 et 2021 se sont à cet égard plutôt bien passés malgré le Covid notamment sur l'année 2020 qui avait entraîné pas mal de pertes de recettes et de charges supplémentaires de fonctionnement. Voilà. Donc si, on sait quoi en faire. Voilà, donc est-ce que vous êtes contre cette proposition d'affectation ? Tu les votes à la fin, toutes, en même temps ? On les tous en même temps ? Ouais. Ah bon, moi si vous voulez. Allez. Donc ensuite, le budget d'eau potable. Donc là aussi, en investissement, un excédent, 198 000, auquel on ajoute les résultats antérieurs 28 000. On est dans une situation qui sera donc de 227 000 d'excédent sur la région autonome de l'eau potable. Par contre, il y a un reste à réaliser qui est significatif, comme souvent dans ce budget, 868 704 euros à réaliser. Sur le fonctionnement, on est quasiment à l'équilibre, moins 17 410 euros, avec un résultat intérieur qui était positif de 841 000. La proposition qui est faite de l'affectation, c'est pour l'investissement résultat reporté en recette 227 000 et en fonctionnement, on reporte 724 319 et on met 100 000 en compte de réserve. Là aussi, avis favorable de la commission des finances. Régie autonome, assainissement. Résultat d'investissement plus 86 000 avec des résultats antérieurs qui étaient déficitaires de 195 000 donc. On est à moins 109 000 en cumul, des restes à réaliser de 41 000. En fonctionnement, on est à un excédent de 200 000 euros, 199 953, qui vient s'ajouter aux 692 000 antérieurs. Donc la situation est un petit peu plus confortable que le budget sur l'eau. Avec une proposition d'affectation de 109 000 euros reportée en dépenses, pour le déficit cumulé 2021. En fonctionnement, 636 000 reportés en recettes. Résultat reporté en dépenses en 9 000, excusez-moi. Et en fonctionnement, résultat reporté en recettes sur le cumul 636 000. Le reste, 256 000, étant mis en compte de réserve. Voilà. Avis favorable de la commission. Et le réseau Chaleur-Bois. Donc réseau Chaleur-Bois, on est sur un budget investissement qui présente un excédent de 815 000 euros. Donc là, je réponds à la question tout de suite que vous ne me posez pas encore.
Ça provient effectivement d'une subvention de l'ADEME sur l'extension du réseau qui avait dû avoir lieu dans les années 18-19, si je ne dis pas de bêtises. Laure, c'est ça. Merci. Et qui donc a été perçue sur 2021. Subvention qui a été perçue sur 2021. Donc on additionne un résultat antérieur qui lui était largement déficitaire à moins 1,2 million. On a maintenant un déficit cumulé en investissement sur le réseau chaleur-bois de moins 428 000. Avec des restes à réaliser marginaux de 13 000 euros. Sur le fonctionnement, on a un excédent de clôture 2021 à 236 000 euros, qui est donc le qui est le solde que l'on a en excédent de clôture cumulé. Sur la proposition qui vous est faite, 427 000 pour l'investissement reporté en dépenses sur l'exercice suivant. Et les 236 000 du résultat de fonctionnement reportés en compte de réserve, affectés en compte de réserve, pardon. Là aussi, avis favorable de la commission des finances. Le budget culture, donc, qui a été impacté cette année encore par une fréquentation assez basse, malgré tout, des spectacles qui ont été maintenus. Donc on est cependant en investissement. Dans ce contexte-là, si je vais commencer par le fonctionnement, parce que ça fera le lien avec ce que je viens de dire. Donc sur le résultat de fonctionnement, excusez-moi, je vais commencer par le fonctionnement, on est à moins 111 856 euros, donc en déficit, avec des résultats antérieurs reportés de 141 000, donc pour l'instant on est à plus 29 576 d'excédent de clôture en fonctionnement. Sur les investissements, on est en résultat excédentaire de 59 350 avec des résultats antérieurs à plus 21 000, donc on a au total 81 000 euros à peu près de excédent de clôture cumulé. Avec des restes à réaliser, des restes à recetter pour un net de 18 603 euros qui viendront impacter le résultat d'investissement pour 2022. Donc la proposition d'affectation sur l'investissement, c'est d'affecter le résultat positif de 80 925 euros en recettes pour l'année prochaine et en fonctionnement, l'excédent de 29 176 euros en recettes aussi. Alors, on en aura besoin l'année prochaine, puisque vous savez qu'on l'a évoqué pendant le DOB et on le verra tout à l'heure. On souhaitait faire un accompagnement spécifique pour l'année 2022 avec une subvention de la ville qui sera accrue d'environ 180 000 euros. Par rapport à tous les enjeux qu'on a sur 2022, avec un certain nombre d'événements et un certain nombre, malheureusement, de fréquentations qui restent très basses. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on formulait dans le DOB pour 2022 et qu'on, bien sûr, qu'on maintient dans ce budget qui vous est présenté. On aura un budget culture avec un taux de fréquentation qui restera à l'ordre de 65%. C'est l'hypothèse qu'on a formulée. Par contre, tous les spectacles seront maintenus à ce stade. Donc sur ces affectations, la commission des finances a donné un avis favorable aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, au sujet de la culture, y compris dans les... pas les frais de fonctionnement, mais en tout cas dans les investissements, l'espace Rameau ? C'est-à-dire dans les investissements 2021, vous voulez dire ? Non, je veux dire, est-ce que apparaît l'espace Rameau dans... Ah oui, dans oui. Le budget culture, il y a l'espace Rameau. D'accord. Bien sûr. D'accord. Non, parce que... Et par contre, dans les recettes, absolument pas. Ah ben les recettes, vous savez que sur Rameau, les recettes, c'est la partie congrue. Il y a vraiment très peu de choses. Ouais. Malheureusement. Vous savez qu'on travaille... Parce que là, on a quand même un super outil et voilà, oui. Et on s'en sert pas, en fait. Non, c'était un peu la... Juste pour mettre le lien là-dessus. Alors, sur Rameau, effectivement, c'est bien intégré dans le pôle culture. Sur Rameau, effectivement, il y a peu de recettes parce que c'est un outil qui est pour l'instant, surtout en période de Covid, qui n'a pas été simple à mobiliser et trouver des utilisateurs, en tout cas qui paieraient. Et donc, mais peut-être Annie t'en parlera mieux que moi sur le projet qu'on a pour 2022 d'étudier. Je te laisse peut-être expliquer qu'on va étudier une solution pour essayer d'ouvrir cette activité au niveau juridique sur un autre partenariat.
Oui, alors effectivement, l'espace Robert Rameau est fermé hein, depuis quelques temps. Bon, il y a quand même des choses qui se passent, puisque pendant la période Covid, on a quand même ouvert cet espace aux professionnels du spectacle vivant qui sont venus en résidence. Hein, voilà. Donc il a été occupé par ces personnes-là, pour quand même qu'il y ait quand même une vie. Mais effectivement, ça n'a pas généré de recettes. Voilà. Alors, cet espace, il est effectivement très beau, très magnifique. Il est très technique. Techniquement, il est vraiment de qualité. Mais il est également très spécifique. Hein. Il est pour un type de musique. Il était conçu pour les musiques actuelles, pour la diffusion de musiques actuelles. Il était conçu pour ça d'abord. Donc, on peut pas faire exactement tout ce qu'on veut. C'est pas une salle multispectacle. Hein. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on espère bien le rouvrir. Après, on se pose la question du mode de gestion de cet établissement. Voilà. Alors, est-ce que la ville de Belley garde la régie directe, ou est-ce qu'on peut envisager un autre mode de gestion qui pourrait être une délégation de service public? Voilà, on est en train de travailler cette formule. Juridiquement, c'est pas simple. On est obligé de se faire aider parce que c'est une gestion particulière qu'il faut bien cadrer. Hein. Voilà, donc le dossier est ouvert déjà depuis plus d'un an. On continue à le travailler hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à cadrer, comme je disais. Donc voilà, on est en train de travailler sur un éventuel mode de gestion nouveau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces affectations de l'exercice 2021? Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient sur l'une des affectations? Donc c'est validé, voté à l'unanimité. Merci à vous. Donc nous poursuivons avec les chiffres pour voter les budgets primitifs pour l'exercice 2022. Donc si vous voulez bien, on va commencer par la commune. Donc sur la commune, on a en section de fonctionnement un budget d'11 627 000 euros et 4 972 000 euros en investissement, au cumul. On vous présente dans la diapo effectivement les grandes masses d'évolution. On peut peut-être faire quelques commentaires sur les charges à caractère général peut-être. Donc effectivement, il y a une hausse qui est significative d'environ 600 000 euros, 500-600 000 euros. Donc ça va s'expliquer assez facilement par rapport au budget primitif de l'année dernière. D'une part, il y a les achats de repas, puisqu'on peut penser que le Covid cette année nous fiche la paix, et donc on aura une activité notamment scolaire qui sera sans diminution. Donc on a mis effectivement à nouveau les budgets sur une année pleine en termes de repas achetés. Alors évidemment, en face, il y aura des recettes, mais ce n'est pas dans ce chapitre 11 qu'elles se situent. Donc on a aussi, sur les contrats de prestation de services, été obligé d'accélérer un petit peu cette année. On prévoit 507 000 euros, pour l'an dernier 372 000. On a notamment une prestation qui est demandée via le SIEA pour la géolocalisation, 60 000 euros. On a, souhaité accélérer sur les prestations liées aux exhumations pour essayer de retrouver un rite de 50-60 tombes par an, pour essayer de rattraper le retard, puisqu'il y a eu certaines années antérieures où il n'y avait aucune dépense qui était engagée. Donc là, on va essayer quand même sur 2-3 ans de faire un effort particulier pour déjà gérer les problèmes de zones à rendre à nouveau disponibles pour de futures exhumations. Donc là aussi, on a ajouté. Alors, l'an dernier, on avait budgété 30 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'on ait dépensé 30 000 euros en 21. Laure, peut-être ? Quasiment ? Donc, on avait déjà accéléré en 21. On vient d'années où c'était 0 ou 10 000 euros. Hein. Donc, on avait mis 30 000. Merci, Laure. Donc, effectivement, c'est confirmé. On a dépensé 30 000 l'an dernier et on a monté à 50 000 pour 2022. Et on se dit que 50 000 euros, ça risque d'être le niveau pendant 3-4 ans pour rattraper le retard. Et je ne sais pas d'ailleurs si dans cette somme, Sylvie, ça voudra dire qu'on aura traité les problèmes d'évacuation des eaux, puisqu'on a aussi ce problème-là, que pour ceux qui s'y intéressent, on a aussi ce problème-là qui sera à gérer. Le drainage des eaux n'est pas satisfaisant à ce stade. En tout cas, il n'est pas aux normes. Donc, il y a cette prestation qui est dedans et qui augmente le budget.
Il y a l'enveloppe d'entretien sur le gymnase aussi, qui a été accentuée. On a mis 60 000 euros de plus que ce qu'on pouvait mettre usuellement. Et on a souhaité faire une analyse au niveau d'un audit financier sur quelques sujets très ciblés, avec les services et l'aide du cabinet KPMG pour 20 000 euros, un peu moins de 20 000 euros, pour faire une analyse ciblée sur 2-3 process de travail, pour vérifier qu'on est bien dans les clous et que notre mode de traitement est adapté. Vous savez qu'on a revu pas mal de choses depuis déjà 2 ans. On travaille sur les amortissements, on travaille sur les immo en cours qui ne sont toujours pas traités depuis X années. On a beaucoup régularisé sur les créances devenues irrécouvrables ou les provisions à passer sur des créances potentiellement irrécouvrables. Enfin, je rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc il y a tout ce travail-là qui va se poursuivre. Mais sur 3 ou 4 thématiques, on a demandé à KPMG de nous accompagner, puisqu'ils ont un retour d'expérience sur plusieurs centaines de communes, et on pense aller plus vite avec leur aide. Donc ce travail est en cours. Il sera livré, je pense, au mois de juin 2022, pour une mise en œuvre dès les comptes 2022. Voilà. On va essayer de continuer d'assainir au maximum les comptes par rapport aux principes comptables. Ensuite, on a une grosse ligne aussi qui a été accentuée, c'est l'entretien-réparation des bâtiments, puisqu'on passe de 60 000 à 320 000 pour 2022. Et là, on a surtout fait un effort particulier, comme vous le savez, sur le projet de démolition, dépollution de ce qu'on appelle la halle Margueron, qui est chemin des Soupirs, la halle qui doit donc finalement être détruite, qu'il va falloir détruire, et pour laquelle, vous savez, on a évoqué un projet de réhabilitation du tènement, en vue peut-être d'un réservoir pour les eaux de pluie, et peut-être, et ou, d'un parking, pour aménager encore mieux la zone sportive quand il y a des compétitions, et éviter le débordement du parking sur d'autres parkings limitrophes du centre-ville. En tout cas, on va déjà détruire ce bâtiment et le dépolluer, on a mis 140 000 euros. On a sur Jean Ferrat une action particulière avec 20 000 euros ajoutés. Le Burdet, qui lui aussi a besoin maintenant de rentrer dans des phases d'entretien un peu plus intensives, où on a rajouté aussi quelques kilos euros. Voilà, donc le budget est assez accentué. Voilà, c'est les principaux têtes de chapitre dans ce chapitre 11, charges à caractère général. Bon, les charges de personnel, on a déjà longuement parlé, hein. Il y a une hausse aussi prévue, mais ça, on en a parlé, c'est les effectifs. C'est toutes les explications qu'on vous a données lors du DOB, et notamment sur la stabilisation à l'effectif maintenant, en année pleine, de la partie police municipale. Voilà, qu'est-ce que l'on peut dire peut-être sur d'autres chapitres? Les charges de gestion courante, peut-être, le chapitre 65, si on peut descendre, Catherine, s'il vous plaît. Voilà, on a prévu 3 558 000 pour 3 470 000 l'année précédente. Donc là, c'est essentiellement, pour faire court, la hausse au budget culture. Hein, donc 1 805 000 pour 1 629 000 l'année précédente, d'une part. Et à l'inverse, la ligne qui est presque en bas de fonctionnement au CCAS, qui revient au niveau normal, entre guillemets normal, si il n'y a pas de normalité en la matière. En tout cas, qui revient au niveau de 873 000 euros, qui était la subvention de fonctionnement qui était allouée depuis 3-4 années, et qu'on avait ponctuellement remonté à 1 015 000 pour l'année 21, pour passer le lancement de la bulle d'éveil, notamment. Voilà, donc ce qui explique majoritairement l'écart. Voilà sur ce budget communal, au niveau du fonctionnement. Au niveau des investissements, il y a peut-être 2-3 choses à regarder, ou sur lesquels on peut revenir. Alors donc la section investissement dépenses. Sur les investissements, on peut peut-être citer. Ah pardon, oui, ce serait de la page 20. Alors, au niveau de mon édition, moi, c'est la page 20, allez-y. Ouais, on y est. Je pense que vous êtes sur le bon chapitre 21. Donc, on est 1 319 000 cette année pour 850 000 l'an dernier. Donc là, il y a une accentuation sur de travaux lancés au niveau de Lamartine, puisque on a décidé de les accompagner et de prendre en charge tous les travaux sur l'évacuation du marin au niveau des dalles entre les étages.
les choses étaient construites comme ça au XVIIe, XVIIIe, et on évacue le marin parce qu'il crée une pression sur les charpentes, sur les murs, qui n'est plus justifiée, en tout cas par rapport au risque incendie, et qui surtout crée une pression inutile, et qui pouvait potentiellement... on avait une alerte à l'été 2020 sur une des zones. Là, il y a eu des travaux en 2022 à nouveau. Il a fallu vidanger du marin sur une autre zone. Donc voilà, donc ça, c'est des travaux que la commune va se charger de faire. On va traiter aussi une partie des charpentes. Toute la partie, en fait, des charpentes qui, du fait de la nature du bois, nécessite un traitement contre les insectes. Ce n'est pas le cas de tous les bois, mais certains bois le nécessitent. Donc ça va être fait. Il y a une grosse ligne à 500 000 euros, on en avait parlé lors du DOB, c'est la réhabilitation du bâtiment des Charmilles pour en faire en fait 4 logements qui seront donc de nouveau habitables aux normes actuelles. Ce dossier est à l'étude effectivement pour l'instant, puisque on veut valider la faisabilité de la mise en location sans être attrapé, vous savez, par la loi qui est sortie sur le DPE en 2021. Loi qui nous oblige à être assez rapidement en section D, parce que dès les sections G, F, E, on sera en impossibilité de louer selon les années 2028, 33, 35. Je parle de mémoire, hein, je suis peut-être un petit peu erroné sur une année, mais c'est l'ordre d'idée. Donc, sauf à ce que le législateur, parce que les professionnels se plaignent énormément de la mise en œuvre assez rapide et brutale, quel que soit le type de bâtiment, de cette norme. Mais pour l'instant, c'est la norme depuis juillet 2021. Et donc, on est en train de faire étudier si, avec une enveloppe de 500 000 euros, on sera effectivement tranquille pour les années qui viendraient. Parce que sinon, ça poserait éventuellement. Ça nécessiterait de reposer le dossier, s'il le fallait, sur la table pour bien y réfléchir. Oui. Est-ce que vous faites accompagner par l'ALEC 01 sur ce genre de sujet ? Non, on a pris une AMO dont je ne pourrais pas vous donner le nom, qui est en train de travailler sur le chiffrage. Ça aurait été intéressant quand même d'avoir l'ALEC. L'ALEC, c'est l'ALEC 01, agence locale pour l'énergie et le climat. Voilà. Ils auraient pu vous aider. Ils seront sollicités à la suite du travail de l'économiste, si on y va, puisque forcément, là, vous avez évoqué les sommes. Il y a un moment, il faut qu'on... Évidemment, on veut faire quelque chose de ce bâtiment des Charmilles, parce qu'aujourd'hui, il y a l'abandon. Et plus il sera à l'abandon, moins ça sera bon. Mais à un moment, il faut que l'investissement soit aussi à la bonne hauteur. Parce que si ça nous coûte horriblement cher pour refaire les logements, donc c'est à l'étude. Et viendra le temps après de toute la partie normes environnementales pour répondre. Et je sais que l'ALEC font du très bon travail dans la matière. Mais on sollicite d'abord l'économiste avant de l'engager. Bah, idéalement, ça aurait été les impliquer dès le départ, en fait. Hein. Mais bon. En principe, on attaque déjà par faire une étude, on voit un petit peu ce qui est possible, et après on dirige un petit peu justement le financier. Bon, écoutez. Non, mais moi je note votre... Effectivement, on en reparlera avec les services. Oui. Quelles sont les intentions de destination de ces logements ? Ah ben c'est de remettre à la location pour tout un chacun ces 4 logements. Hein. D'accord, donc on confierait ça à... Oh bon, après, l'idée, ce serait de confier ça à une agence immobilière et puis qui se chargera de commercialiser. Hein. Okay. Tout simplement. Hein. Au loyer en vigueur, hein, sans faire rien de particulier. Hein. Il y a en plus 4 garages en sous-sol sur le versant aval. Donc c'est des logements qui étaient faits en plus à la mode des années 70, c'est-à-dire que c'est spacieux. Ce sont des... Voilà. Donc ça nous paraissait intelligent d'aller vers cette réhabilitation. On n'avait pas envisagé, alors puisque la question se pose, on n'avait pas envisagé d'aller jusqu'à la dans un premier temps, jusqu'à l'isolation par l'extérieur, ce qui serait à peu près le nec plus ultra. Et donc on était parti sur une enveloppe de 300 000. Finalement, je vous avais dit au DOB qu'on va upgrader l'enveloppe, donc on a mis 500 000. Et là, l'AMO va nous dire si avec ça, on est à peu près couvert, quoi. Enfin, vous allez bien y arriver, bien entendu. Même, je pense que vous allez même être en dessous de cette enveloppe. Il y a beaucoup d'aides, les C2E, on en a parlé déjà plusieurs fois. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Donc, ça aurait été intéressant quand même d'être dès le départ accompagné par l'ALEC, l'ALEC 01. Quoi. On n'écarte pas l'ALEC. Aujourd'hui, on a voulu aller vite. On veut un plan de financement, des grands chiffres de cette opération.
Les services, on leur fait confiance, ils prennent ça en main, on leur demande un chiffrage pour savoir est-ce que c'est 300 000, est-ce que c'est 400, est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 600, les aides qui sont en face, et voir si on va dans cette opération, parce qu'à un moment, il y a aussi un principe de réalité, on ne va pas investir des sommes folles pour au final, voilà, 4 logements, certes, on va faire revivre le bâtiment, mais si on engage trop une somme trop importante, donc il nous faut un schéma de principe de financement. Les services de la ville sont très en lien avec ces associations, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On vous dira ce qu'il en retourne. Alors, je poursuis sur chapitre 21. On a aussi prévu, dans l'enveloppe globale, des travaux de réhabilitation et d'installation des associations dans un nouveau logement. Ça a été évoqué en introduction tout à l'heure. Et enfin, une somme de l'ordre sur la voirie de 55 000 euros pour les réseaux, notamment sur des lotissements qui arrivent avec les réseaux à faire, et puis l'aménagement autour des PAV. Voilà. Donc ça explique effectivement la globalité des 500 000 euros en plus qui sont fléchés sur ce chapitre 21. Le chapitre 23 aussi, les immeubles en cours, on peut en parler une minute. 1,6 million l'an dernier, 2,090 000 cette année. Donc là, c'est le fléchage de l'éclairage. Monsieur le maire en a parlé en introduction sur les travaux en cours sur la commune. Donc l'éclairage a été donc mis en œuvre et accéléré depuis 2020. Et donc la partie déploiement de l'éclairage se passe plutôt même mieux et plus vite que ce qu'on pensait. Et donc il y a évidemment l'éclairage qui attaque en 2022 et la plaine sportive. On a mis une somme, on verra si on est à l'heure, on a fléché une somme pour l'instant, pour démarrer les travaux, si tant est que les premiers acomptes tombent sur fin 22, ce qui reste à démontrer. On est peut-être un petit peu optimiste. Sur les traitements aussi des eaux pluviales, vous avez 927 000 euros. Alors 927 000 euros, c'est notamment le traitement de l'évolution des collecteurs des eaux pluviales, notamment route de Bourg. Et puis l'îlot Baudin, dont il a été question aussi il y a quelques minutes en introduction, sur lequel Marie-Hélène travaille. Voilà, donc des sommes importantes. Effectivement, là, les investissements démarrent. Voilà. Sur les recettes de fonctionnement, j'ai pas grand-chose à dire, sauf si vous aviez des questions, on peut regarder. Et sur les recettes d'investissement, c'est pareil, rien de particulier que d'usuel. Et notamment d'aller chercher 900 000 euros d'emprunt, celle qu'on l'avait évoquée pour le DOB. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je propose qu'on passe au vote donc du budget, peut-être un par un, parce que c'est peut-être plus... Ah. Oui, j'ai fait une remarque globale sur le budget. Oui. Je vais reprendre un peu ce qu'on avait dit. Je me fais le porte-parole du groupe. Voilà. Ce qu'on dit toujours, c'est que le budget, c'est l'outil de la politique municipale. Donc il y a quelques semaines, j'étais absent, mais je me suis intéressé. Vous avez présenté un DOB de manière remarquable, tout le monde l'a souligné. Donc c'était une bonne mise au point de la situation, mais il nous semble que le budget n'est pas une émanation de ce DOB, parce que on a une sorte de manque, c'est-à-dire qu'on ne voit pas où va la politique municipale. Que voulez-vous réellement faire? Alors, quelle politique sportive, quelle politique sociale, quelle politique culturelle, quelle politique en matière d'urbanisme, d'environnement, etc. Alors, par exemple, la plaine sportive, bon, c'est un beau projet, ça va faire un très très bel outil, enfin, nous l'espérons tous, mais on ne sait pas quelle politique va aller avec. Est-ce que c'est une politique sportive pour tous ou est-ce que c'est une politique élitiste? Il y a des municipalités qui ont pris cette option. On a vu que les tarifs ne tiennent toujours pas compte de la situation familiale. Pour la culture, là encore, il y a des outils, l'intégrale. L'espace Rameau, qui est aujourd'hui quasiment fermé, donc avec un matériel qui se dégrade. Là encore, on ne sait pas quelle est la politique culturelle de la ville, sans compter, on l'a vu ici, le problème des subventions aux associations culturelles, puisque les critères restent flous. Bon, d'autres choix sont surprenants, par exemple la vente des biens immobiliers,
On l'a dit, hein, on l'a déjà dit, la municipalité paye un loyer pour loger ses associations. Quelle est la finalité de ces ventes? On ne le sait pas. On attend les opportunités. C'est un peu la même chose pour les dépenses imprévues, qui sont quand même à plus de 400 000 euros. Donc c'est un niveau très important. Là encore, on ne sait pas pourquoi. On attend les opportunités sans les provoquer. En tout cas, c'est l'impression que nous en avons. D'autre part, il nous semble qu'il y a une absence de perspective et de prise en compte de la situation présente. Les dépenses d'énergie et d'électricité restent au même niveau en 2022 qu'en 2021. Nous sommes en pleine période d'inflation. Donc peut-être qu'il aurait fallu prévoir une petite poire pour la soif. La subvention au CCS reste inchangée. Or, la situation depuis 2 ans est quand même difficile. Il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est qu'il ne faut pas confondre le taux de chômage avec le taux de pauvreté. Ce n'est pas parce que les gens travaillent que la pauvreté disparaît. Ces deux taux ne sont absolument pas corrélés. Donc là encore, il y a quelque chose qui nous échappe. Pour la politique de revitalisation du centre-ville, elle est annoncée. Vous avez pris quelques initiatives, mais nous ne savons pas réellement quelle est la finalité. L'environnement, c'est un peu la même chose, hein. On attend des actions, on attend une véritable politique environnementale. Alors c'est très bien de ramasser les ordures, on ne va pas aller contre. Hein. D'ailleurs, un certain nombre d'entre nous étaient présents et seront de nouveau présents. Pour ce qui concerne les LED, c'est une évolution telle qu'elle existe. Jadis, on a remplacé les ampoules incandescentes par les ampoules à basse consommation. Aujourd'hui, on en arrive au LED. C'est bon, ça fait faire des économies sur le budget, oui. Pour l'écologie, c'est plus discutable. Donc, un budget qui nous semble un petit peu... qui manque de politique, en quelque sorte. D'autre part, nous aurions fait d'autres choix, ce qui est logique, hein, puisque... voilà. Donc, nous voterons contre ce budget. Tu voulais rajouter quelque chose ? Bien, cher Philippe. Alors, il y a une incohérence, mais peut-être que je comprends pas tout, mais le DOB est très clair. Il est limpide. Il est travaillé avec les services, on a fait un gros boulot sur le support, il y a un cap qui est donné, il y a une vision. Vous saluez notre DOB, et je vous en remercie, c'est très bien, avec aussi, comme je l'ai dit, un travail des services, belle présentation par Richard, conclue par le maire avec un cap qui a été donné, et vous le saluez. Et là, vous me dites que sur ce budget, on n'y comprend rien, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de contenu. Il se passe rien. Je ne comprends pas. Et le porte-parole, c'est celui qui était absent du DOB. Donc il faut être assez, entre guillemets, culotté pour présenter ça. Mais Philippe, tu as le courage de le faire pour ton groupe et je t'en félicite. Moi, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit au DOB. Il a duré 2 heures. Philippe est un prénom masculin. Super. Le DOB a duré 2 heures, on savait, on a tout dit, alors je peux me répéter si vous voulez par rapport au DOB. Politique sportive, elle est en cours de rédaction au niveau des services, puisque là on a un cap aussi très clair sur la politique sportive, ce qui n'empêche pas qu'on a engagé les 5,5 millions. Alors évidemment, ça ne sera pas 5,5 millions de la ville, parce que c'est avec les financements des partenaires, on n'aura jamais autant investi dans le sport sur ce mandat. La politique sociale, on fait un travail remarquable avec la CTG, des groupes qui bossent le dossier et qui va être demain aussi la traduction de la politique sociale où j'ai dit que j'allais présenter ça en conseil municipal. On a aussi les félicitations du conseil d'administration du CCS, où d'ailleurs tu ne sièges plus. On a un travail de revitalisation de la ville comme jamais, comme jamais.
l'établissement public foncier est sollicité sur 3 friches. Même M. Bénistan, qui est ici, notre adjoint aux finances, me dit « Monsieur le maire, ralentissez, on en fait trop. » Mais comme jamais, Percevaux, le Tanneur, le Bar des Aigles, et là on évoque évidemment ce qu'on vend ce soir, c'est pourquoi c'est une destination logement. Il faut avoir la lecture du PLU, mais ça sera du logement à côté de la cathédrale. Et puis il faut en faire quelque chose. On ne laisse pas à l'abandon, on ne laisse pas et on ne regarde pas toutes ces friches toute la journée en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Non, on agit et ce soir on agit. Ça c'est une politique de revitalisation claire. L'UCAB est derrière nous, les acteurs nous font confiance. Je ne passe pas une journée sans qu'on me sollicite au niveau des promoteurs et autres parce qu'ils s'intéressent à la ville de Belley. On trouve une solution pour l'ancien hôpital. Personne s'en est... Enfin, je veux dire, c'est un sujet, il fallait ça qu'on s'en préoccupe aussi de longue date, comme d'autres friches d'ailleurs à Belley, que vous avez laissé aussi d'année en année, on ne s'est pas occupé du cœur de ville. Sur le précédent mandat, il y avait zéro moyen, on n'a pas pu faire grand-chose, mais pour ceux qui avaient les moyens, il fallait agir. Ben, nous, on agit. Après, vous me parlez de Saint-Anthelme. Évidemment, c'est une situation qui est compliqué. Saint-Anthelme, au départ, c'était aussi pour revitaliser ce secteur avec les associations. Manque de pot, l'association est liquidée et on se retrouve seul à parler avec le diocèse. Évidemment que ce n'est pas une bonne solution, mais il y aura un nouveau site associatif, ça je vous le garantis. Vous évoquez, on ne fait rien sur l'environnement. On se moque de qui? Le contrat de performance énergétique, c'est pas vous qui l'avez mis en place? La lutte contre la pollution lumineuse, on ne lance pas trois LED, on remet à jour toutes nos armoires électriques, c'est 80 armoires. C'est 2000 points lumineux qu'on va refaire en LED. Ce n'est pas juste je viens ici puis je mets une nouvelle ampoule. Elles vont toutes télé guidées et programmées à distance pour réduire la pollution lumineuse. On travaille sur l'extension du réseau de chaleur. Qui c'est qui a négocié avec l'hôpital sur le précédent mandat? Ils voulaient partir sur du gaz. On s'est battu. En plus, c'était votre projet, vous voyez, on n'a même pas regardé en se disant, bah, tiens, oui, on a un réseau de chaleur, il faut qu'on s'en occupe. On s'est battu pour qu'il soit connecté avec l'hôpital. Aïe, ça marche. Et là, on est en train de retravailler pour essayer d'aller capter les abonnés au plus près du réseau. Donc, je trouve que c'est un peu fort. Mais bon, c'est normal, il faut aussi un moment que vous puissiez vous exprimer. Mais je ne trouve pas la cohérence entre un DOB clair, net, précis, avec un cap qui est fixé. Aujourd'hui, vous ne comprenez plus le budget. Bon. Je vais rajouter un point peut-être quand même. Vous parlez de maintien du budget des énergies, mais c'est le résultat justement des travaux qu'on a menés. Philippe, en commission environnement, tu l'aurais vu, on a travaillé effectivement sur l'isolation de plusieurs bâtiments au niveau des plafonds, donc on le prend en compte, on espère bien que ça va porter ses fruits. C'est quasiment fini. On a retravaillé tout le chauffage du palais épiscopal en 2021, il y a une deuxième tranche de travaux en 2022. Hein. En upgradant le niveau des équipements et toute la partie régulation de température dans le bâtiment. Voilà, donc c'est des choses qui nous permettent d'espérer effectivement des gains. Après, sur les 400 000 euros de dépenses imprévues, l'an dernier, vous n'aviez pas fait de remarques, on en avait même un peu plus. Donc effectivement, on se permet quand même sur un budget d'11,6 millions de dépenses, de prévoir 5% de dépenses imprévues. Ça me paraît absolument pas délirant. Et ça nous permettra de faire face, soit malheureusement à une baisse de recettes qui interviendrait à la suite d'une nouvelle crise sanitaire si elle devait se déclencher, soit de faire face à d'autres dépenses si elles devaient arriver ou si on devait les prendre en charge. Vous savez, ça fait le joint avec la remarque que j'ai faite en DOB, en disant qu'au niveau conceptuel ou mental, on restait très mobile. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement un cap pour jusqu'en 2025 qui est maintenant connu de tous autour de la table, et au-delà, puisque les Belaisans nous écoutent. Et c'est la même démarche qu'on a sur ce budget, c'est-à-dire qu'on garde des marges de manœuvre pour effectivement rester mobile et saisir une opportunité, prendre une décision. Ça fait partie du volant disponible. Voilà. Très bien. Moi, j'invite tous les Belaisans qui nous regardent, à venir consulter le dernier DOB. Tout est clair, tout est précis, la conclusion,
Et comme ça, ils verront précisément où on va. On a un PPI en plus, un plan pluriannuel d'investissement. Je pense que ça ne s'est pas vu depuis des années à Belley. Comme ça, on sait ce qu'on va faire en 2022, en 2023, 2024, 2025, 2026, avec des lettres, des feuilles de route que j'ai initiées parce que je veux que chaque année, les adjoints connaissent bien où ils doivent aller. Et même avec les services en sont ravis. Ils savent où ils vont. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas cette boussole. Donc rassurez-vous, on tient le cap et j'invite vraiment la population à regarder où on va en consultant le DOB et en lisant avec attention tous nos travaux. Bien, on va enchaîner avec... oui. Alors, je pense qu'on quand même, on s'en sortirait grandi si on arrêtait un petit peu les attaques personnelles. Il me semble que le groupe Belley Alternative et RPB, on ne fait absolument aucune attaque personnelle, on n'invective personne. Quand on prend la parole, on essaye de le faire au nom du groupe. Donc qu'on soit présent ou pas aux commissions au final, ben, ça n'a pas tellement d'importance parce que nous, entre nous, on se parle. Donc ça, c'est pour les premières choses. Et donc je vais peut-être essayer de reclarifier, apparemment, ce n'était pas assez clair. Le souci, en fait, c'est la vision. Il n'y a aucune vision. On ne voit pas de vision qui s'en dégage. Ah oui. Ok, vous gérez très bien, mais bien entendu, vous êtes la droite. La droite gère très bien, ce n'est pas le problème. Par contre, ben, ça n'avance pas, quoi. Donc nous, c'est l'immobilisme qui nous emmerde. Ah. Voilà, excusez-moi pour le mot vulgaire, mais à un moment donné... Très bien. Eh bien, on regardera à la fin des 6 ans où on aura fait avancer Belley, en 2026, et vous verrez très, très clairement. Moi, je vois beaucoup de choses avancer. Rassurez-vous, il y aura du concret très vite. Je l'ai déjà dit sur la friche Percevaux. Je l'ai déjà dit sur la plaine sportive où on va finaliser la programmation. Je ne m'inquiète pas. Vous voyez, moi, je suis sur le temps, pas long, mais plutôt moyen long terme. On est là pour 6 ans, on ne fait pas tout en 2 jours, et je pense que en un an et demi qu'on est ici, on a fait avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec un rythme très important, une énergie folle, des services mobilisés, des élus sur le terrain. Il y a eu la crise Covid. On a eu encore, dernièrement, on a été mobilisés avec l'Ukraine. Voilà, on mène tout de front. Donc, je comprends votre impatience, mais rassurez-vous, ça va arriver. Bien. Enchaînons, Richard. Je vous propose de passer au vote donc, sur ce budget communal pour 2022. J'attends. Donc, pour ceux qui nous regardent, on a un problème de liste là, qui circule à signer. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote, messieurs, dames? Alors, qui s'abstient sur ce budget primitif 2022 pour la commune? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre. Attendez, vous allez voir, relevez la main, s'il vous plaît. Monsieur Méran, monsieur Smilly, Charlotte de Menton, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, et puis Jacques aussi. Oui, c'est ça. Donc, 6 votes contre. Donc, le budget primitif est adopté. Nous pouvons passer au budget suivant. Donc le budget suivant, c'est la régie de l'eau. On va se reconcentrer, s'il vous plaît, sur la régie de l'eau, le budget. La régie de l'eau. S'il vous plaît. Donc c'est un budget 1 877 077 000 en fonctionnement, 1 444 000 en investissement. Le tableau de synthèse des grandes évolutions des dépenses de fonctionnement. Bon, on ne nous montre pas de grands changements. Bon, les volumes sont, en euros sont moins importants. On verra si vous avez des questions. Je vous propose d'y venir, si jamais vous en aviez. Notamment la section virement, la section 23, pardon. Virement, la section d'investissement qui est le chiffre important, puisque le fonctionnement finance énormément la section d'investissement dans ce budget, qui évolue selon les besoins d'investissement prévus. Voilà, on pourra en reparler. Donc, pas de commentaires particuliers. Au niveau des investissements, il est essentiellement prévu la suite et fin de Champaillon pour 2022, puisque ça reste à réaliser de 2021. Voilà ce que l'on peut dire sur ce budget. Je vous propose... Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce budget spécifiquement? Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre?
Budget voté à l'unanimité. Nous passons au budget assainissement. Si, j'ai demandé. Non, qui s'abstient? Ouais. J'ai dit qui s'abstient, qui est contre? Alors qui s'abstient? J'en commence. Qui s'abstient? 5. Les 5? Ouais. Pas monsieur Cheva. Donc personne n'est contre, ça n'a pas bougé, donc c'est voté. 5 abstentions. 5 abstentions, très bien. Régie de l'eau. Donc maintenant, régie de l'assainissement. Donc là, on est sur un budget d'1 747 000 en fonctionnement, 1 082 000 en investissement. Allez-y, on va descendre sur les grandes lignes. Là aussi, pas de choses, à part la virement à la section d'investissement, comme pour l'eau, qui est la somme la plus importante de ces budgets de fonctionnement. Donc même réponse que tout à l'heure. Pas de remarques particulières à vous faire. On a sur les investissements pour 2022, notamment la rénovation du réseau sur la tranche Guillotot et Conductix, avec une phase de 600 000 euros prévue, une phase 1 de 600 000 euros prévue sur 2022. Bon voilà, c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur ce budget. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Régie de l'assainissement. Alors, régie de l'assainissement, qui est contre? Régie de l'assainissement, qui s'abstient? Je comprends rien. Votez à l'unanimité. Bon. Ok. Votez à l'unanimité pour la régie de l'assainissement. Ouais. Le budget. Maintenant, le budget, donc, réseau chaleur-bois. Budget de fonctionnement 567 000. Budget d'investissement 686 000. Donc sur le fonctionnement, on a des chiffres effectivement qui sont essentiellement liés au virement de la section fonctionnement en investissement 450 000 euros. Bon, c'est un budget n'appelle pas, pour ma part, de remarques particulières. Hein, c'est un budget dans la continuité. Il n'y aura pas de gros investissements de prévu. Il n'y a pas de changement majeur au niveau du fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget réseau chaleur-bois? Il y a une question à la fin de ce conseil municipal, mais pour l'instant, pas de questions particulières? Pas là-dessus. Très bien. Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Budget voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le pôle culture maintenant. Donc le pôle culture, section fonctionnement 2,3 millions d'euros, section investissement 364 000 euros. Donc sur le fonctionnement, on a essentiellement ce qu'on avait évoqué lors du DOB, lors de la dernière réunion du conseil municipal. Donc on a des charges à caractère général qui sont effectivement en hausse de pas loin de 200 000 euros, essentiellement parce que les spectacles pour l'instant sont tous programmés et maintenus. Donc on a des dépenses de fonctionnement en coût direct. Vous savez qu'on a aussi prévu donc de faire des événements particuliers, notamment avec l'anniversaire de l'intégrale. On a justement dans les contrats de prestation de service le contrat d'accompagnement en prestation pour essayer d'analyser la meilleure formule juridique pour la gestion de cette salle Rameau, dont Madame Cluzel a parlé tout à l'heure. Voilà, ce qui explique donc les sommes engagées en section à caractère général. Section charge de personnel, pas de remarques particulières. On a juste un transfert notamment d'une personne qui a été faite sur début 2022. Voilà ce que l'on peut dire. Sur les recettes, eh bien écoutez, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a d'une part la participation de la commune, donc il passe d'1 629 000 à 1 805 000. Je suis sur la page 17, pardon. Effectivement, sur ce chapitre-là, si on peut descendre dans le détail, peut-être, page... Enfin, 17 de mon côté, oui, mais pour vous, c'est plus bas. Juste pour que vous voyez, allez-y. Sur les recettes de fonctionnement. Voilà. Donc pour les... Voilà, la participation de la commune au titre du GFP, 1 629 000 l'an dernier, 1 800 000
6 000, donc c'est l'augmentation du budget de fonctionnement pour l'année 2022 par rapport à tous ces éléments qu'on avait donnés lors du DOB. L'accompagnement des événements et la prise en charge de la faible fréquentation, donc qui a été budgétée à 65% sur les spectacles. Et on a effectivement une légère reprise de la facturation des spectacles, puisqu'ils sont d'abord tous maintenus pour l'instant, même si 65% de taux de fréquentation, on est passé à 260 000 euros, enfin à 292 000 euros au cumul, là où on avait prévu 258 000 euros l'an dernier pour l'année 21. Voilà, c'est juste pour vous donner les cohérences par rapport aux propos tenus antérieurement. Voilà, sur ce budget culture, c'est l'essentiel qui est à retenir. Est-ce que vous avez des questions ? Petite Sinon... précision sur la culture, on a ouvert à la minorité justement pour étudier les tarifs du conservatoire, avec une ligne qui est la culture pour tous. Et M. Méran sera présent pour travailler avec nous ce sujet ô combien important sur l'équipement conservatoire. Donc je vous propose de passer au vote du budget culture. Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre ? Budget adopté. Merci. On va laisser la parole à Virginie. Virginie. Non ? Ah mais non, c'est encore top, c'est le remboursement des frais engagés par le GEC. Excusez-moi. J'ai encore une délibération. Donc, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, donc on a... Pierre, je vais simplement te demander de sortir de la salle en tant que président de l'OGEC, si ça t'ennuie pas, pour cette délibération. Merci Pierre, excuse-moi. Donc effectivement, on a à délibérer sur les travaux qui ont été conduits par l'OGEC, études d'ingénierie structure, changement de solive plancher, retrait du marin, fourniture et pose de deux IPN pour renforcer la poutraison bois à un endroit du bâtiment. Et donc on souhaite accompagner le GEC pour prendre en charge ces travaux-là, qui sont des travaux du ressort de la sécurité, hein, de l'intégrité du bâtiment. Et pour ce faire, on souhaite bien sûr passer au vote cette délibération qui concerne un montant total déjà engagé par le GEC, hein, déjà payé pour certains depuis plusieurs mois, 54 825 euros TTC. Et on vous propose donc de voter cette somme qui leur sera versée, si vous en êtes d'accord. Sachant que on aura à nouveau sur 2022, on vous l'avait indiqué lors des différents chapitres sur le DOB, on va à nouveau prendre en charge une somme sur 2022 de tête. On doit avoir quelque chose comme 120 000 euros. Sur la suite du marin et sur le traitement des charpentes, dont on leur a annoncé qu'on souhaitait les accompagner aussi sur ce chapitre-là. Et là, le bâtiment sera donc traité. Sur ces chapitres-là, il sera traité. Voilà. Donc on vous a proposé effectivement une convention qui est indiquée dessous, dans le document qui vous était transmis, et qui porte ça noir sur blanc. Je vous propose de répondre à vos questions, si vous avez des questions. Y a-t-il des questions, Monsieur Smi Karim? Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'OGEC, enfin l'acronyme veut dire? Organisme de gestion de l'enseignement catholique. Aussi, il aurait peut-être été intéressant aussi d'avoir le budget de cette organisation. Enfin voilà, au moins est-ce qu'elle est capable de financer en fonds propres ce genre de choses? Ça aurait été intéressant d'avoir un peu, vous voyez, au moins la santé financière de cette organisation, quoi. Savoir où part notre argent. Alors, on a un bail à long terme avec eux, d'accord. Le bâtiment nous appartient à la ville de Belley. Et on a une obligation de répondre aux travaux de structure. Ils ont dépensé des millions d'euros dans la rénovation de leur salle de classe, dans la rénovation de ce bâtiment, pour répondre à des besoins d'enseignement, des attentes. Donc, ils ont, c'est de mémoire, c'est 4 millions d'euros. Hein.
ces 4 millions d'euros qui ont été investis par l'OGEC. Donc aujourd'hui, ils viennent nous solliciter pour des travaux qui sont de notre responsabilité, ces travaux de structure. Voilà. On est sur le plan juridique, sur des travaux effectivement de sécurité et d'intégrité du bâtiment. Et au terme de la convention, en fait, très simplement, on se doit de répondre à nos obligations. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Philippe ? Contre ? Abstention ? Non ? Vote à l'unanimité. Merci. Avec non-participation au vote, Monsieur Pierre Roux, que j'invite à nous rejoindre. Merci, Richard. Il y a encore subvention CCS. On devrait être au bout. Qu'on a évoqué tout à l'heure au budget. Donc pour la bonne forme, là aussi, on vous demande de voter la subvention de fonctionnement qui est versée par la commune au budget du CCAS et qui est donc ramenée de 1 015 000 à 873 000 et qui recouvre son niveau antérieur. Ce faisant, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention versée à la CCAS, cette subvention d'équilibre ? Alors on va passer au vote. Si vous voulez bien. Qui s'abstient ? Alors, j'arrive pas à compter. 5. 4, 5. Qui est contre ? Donc le vote. C'est. 5 contre, pas d'abstention. Sauf M. Chevin. Non, 5 abstentions. 5 abstentions, pardon. 5 abstentions et M. Chevin vote contre. Donc le budget est à voter. Le budget est adopté. Merci. Merci Richard. Place à Virginie Berthelon qui va nous parler du personnel. Bonsoir à tous. Je vais vous parler tout d'abord du personnel communal, donc deux délibérations d'information, surtout de modification des tableaux. Donc d'abord les emplois à temps complet que vous avez en lecture. Donc il y a tout d'abord un poste existant mais vacant d'un poste d'agent de police municipale en mobilité interne. Et une affectation sur un poste existant, donc un poste de secrétaire adjoint administratif en mobilité interne. Donc bien sûr, ceci a été validé en comité technique lors du comité du 16 mars 2022 qui a émis un avis favorable. Et la commission finances et ressources humaines a aussi émis un avis favorable. La deuxième modification concerne les emplois à temps. Alors là, donc vous avez le tableau des postes complet. Et là, maintenant, nous avons la modification du tableau des emplois à temps non complet. Donc, il y a la création, tout simplement, d'un poste de rédacteur d'une durée hebdomadaire de 28 heures. C'est une assistante administrative des services techniques. Donc, bien sûr, validée en comité technique le 16 mars et avis favorable de la commission des finances et des ressources humaines. Donc, je crois qu'on est plus sur de l'information, me semble-t-il, que sur un vote sur ces... Non, c'est un vote. On est un vote, hein. Les deux, oui. Bon, alors je vous invite à vous prononcer sur ces deux modifications que je globalise si ça ne vous gêne pas. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Votez à l'unanimité. On va passer ensuite à une délibération qui concerne indemnité forfaitaire attribuée pour les fonctions itinérantes sur le territoire de la commune. Donc en fait, ça concerne le personnel qui utilise son véhicule. Enfin, le personnel de la collectivité qui utilise son véhicule personnel pour se déplacer sur le territoire. Parfois, il y a certains lieux qui sont éloignés et donc ils ont besoin de leur véhicule. Et de ce fait, donc, il y a proposition ci-dessous. Donc, suivant, bien sûr, le nombre de kilomètres parcourus. Donc, un montant de 210 euros pour plus de 200 kilomètres. Donc, ça concerne trois agents d'entretien des divers sites municipaux et la directrice du pôle culture. Vous avez ensuite un montant de 140 euros pour entre 151 km à 200 km. Donc c'est le conservateur du cimetière. Et ensuite, montant de 70 euros pour des tranches de 51 à 150 km. Donc vous avez ici les différentes personnes concernées, responsable de services informatiques, de la médiatique, un agent de la cantine et garderie de l'école Jean Ferrat, responsable du service communication, secrétaire de l'intégrale en charge de la régie de recettes et l'assistante administrative du service culture. Et puis un dernier montant donc de 35 euros pour une période pour les
distance inférieure à 50 km. Donc c'est une intervenante en milieu scolaire et chargée de médiation culturelle et un agent de cantine et garderie de l'école Jean Ferrat. Donc ces modifications ont été communiquées bien sûr au comité technique lors de la séance du 16 mars. La commission des finances a émis un avis favorable, donc je vous demande de vous prononcer à ce sujet, à moins que vous ayez des questions. Tout simplement, c'est un montant à l'année ou des classements ? À l'année, tout à fait. Voilà. Par contre, voilà, tout ce qui est en cœur de ville, il faut favoriser l'utilisation des modes doux, les vélos ou à pied, bien sûr. C'est ça qu'on va mettre des vélos intercite, c'est-à-dire que des vélos électriques qui partiront de la ville, aussi sur l'intégrale et puis sur Bulle d'Éveil, pour favoriser le déplacement en mode doux. En mode doux. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Prochaine délibération qui concerne une indemnité forfaitaire complémentaire donc pour les élections présidentielles et législatives qui suivront. Donc ça concerne les agents de catégorie A employés par la ville. Donc l'indemnité est calculée selon le principe des IFTS, donc suivant le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires donc des services concentrés. Donc relatif aux arrêtés concernés. Donc ça concerne des administratives attachées territoriales, chargées de communication, la directrice des ressources humaines et la directrice population. Pardon. Donc conformément au décret numéro 91-875, donc le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE. Donc la commission des finances a émis un avis favorable. Donc on vous demande de vous prononcer sur cette indemnité. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des contre ? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Donc ici, vous avez le mode de calcul concernant cette indemnité, donc calculée par rapport à une valeur de IFTS. Il y a un nombre d'agents, donc comme on a vu, qui était de 3 concernés de la catégorie A. Recrutement d'agents contractuels, donc dans le cas d'un accroissement temporaire d'activité. Donc, on a la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique territoriale modifie donc de nombreuses dispositions au sein notamment de 2 lois statutaires. Les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire. Donc ça, ces recrutements donc, peuvent être effectués par contrat à durée déterminée sur un maximum de 12 mois. Donc, on est invité à se proposer sur la création des postes de contractuels suivants de catégorie C et donc autoriser Monsieur le maire à réaliser les recrutements en conséquence. Donc au niveau de la filière technique, donc, ça concernerait un poste d'adjoint technique d'une durée hebdomadaire de 35 heures. D'une durée de 2 heures. Donc voilà, vous avez la liste ici des différents postes possibles. En filière administrative, on retrouve des postes administratifs de durée d'aide-monadeur de 28 heures, 35 heures. Et en filière animation, donc on va plus se retrouver au niveau éventuellement des écoles. Donc c'est des adjoints d'animation, avec des durées variables de 29 heures ou des temps annualisés pour les derniers. La commission des finances a émis un avis favorable. Je vous demande de vous prononcer sur cette... Oui, bien sûr. Oui, j'ai regardé sur les postes. Il y a 7 postes qui sont au moins à mi-temps, voire à temps plein. Donc, comment dans les services techniques, à quoi correspond l'augmentation de l'activité, quelle est la justification de l'augmentation de l'activité dans ces différentes filières? Alors je ne sais pas si Laure, vous pouvez éventuellement... Eh bien, non, vous allez y arriver. On est bien d'accord, c'est une délibération qui est maintenant réglementaire, obligatoire pour anticiper justement tout ce qui est au motif de l'accroissement temporaire d'activité. Donc vous voyez des 2 heures, des 6 heures, c'est des
profils qui ponctuellement viennent nous soutenir, voilà, sur des différents motifs où on prend l'accroissement temporaire. Donc c'est vrai que ça peut paraître curieux, 10 heures, 6 heures. C'est aussi souvent le ménage qui est associé à ça. La gardienne aussi, le remplacement, enfin pas c'est pas remplacement, c'est garderie, pardon. Là, elle a besoin de beaucoup de flexibilité aussi dans tous ses métiers, garderie, ménage. Donc il faut qu'on anticipe. Normalement, ça devrait être un volume d'heures. Là, ils nous font détailler le poste. Ça devrait être, la collectivité va prendre 500 heures en accroissement temporaire d'activité qui sera réparti. Et là, elle est obligée un peu de préciser les différentes filières, les postes. Bon. Je trouve que c'est une demande du trésorier, on s'y tient, mais je trouve que ça serait beaucoup plus pertinent. On sait qu'il y a un volet et un volant d'heures d'accroissement, parce qu'à un moment, il faut répondre à des urgences, notamment, vous avez vu en cas Covid, il y a eu des fois des moments où il a fallu renforcer les équipes, et on devrait être sur un volant d'heures, non pas ça. Aujourd'hui, c'est présenté comme ça, c'est pour ça que ça vous est soumis, en tout cas, à validation ce soir. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Abstention de M. Mérand. Excusez-moi. Donc, une abstention, Bernard Mérand. Je vais laisser la parole à Marie-Hélène Deschamps. Ça tombe bien, on est, vous voyez, dans le concret. Quand on évoque qu'il n'y a pas de politique, il y en a une. Politique de revitalisation de la ville, politique aussi forcément associée au commerce, puisque l'idée c'est de venir demain, je l'espère, sur ce tènement qui va être évoqué ce soir, retrouver un commerce, un espace attractif, puisqu'on l'a, on est en train d'évoquer la convention de portage pour le Bar des Aigles. Vous voyez, il y a de l'action, il y a du concret, il y a de la négociation avec les propriétaires, ce qui n'est jamais simple. On avance. Marianne. Donc trois délibérations ce soir, dont la première porte sur une acquisition faite par l'EPF pour le compte de la ville, établissement public foncier. Donc il s'agit ici de l'acquisition de deux parcelles qui sont dans la rue de la République, la AS 456 et 457, qui sont deux tènements qui comportent un commerce au rez-de-chaussée, le Bar des Aigles, et puis de logements dans les étages. Donc l'objectif ce soir est d'autoriser le maire à signer deux conventions de portage avec l'établissement public foncier. Donc comme vous le savez bien sûr, donc les dispositifs ORT, Petite Ville de Demain, comportent ce volet de revitalisation, requalification des friches commerciales. On y tient et on s'emploie à donc réaliser ces objectifs qui nous tiennent à cœur. Donc l'établissement public foncier a donc négocié avec les propriétaires et nous pourrons donc acquérir ce tènement au prix de 80 000 euros frais de notaire et autres en supplément. Donc il s'agit maintenant d'autoriser le maire à signer deux conventions. Donc une convention de portage foncier entre la commune et l'EPF. Qui donc, aussi bien que pour le tènement Percevaux, donc il y a quelques semaines, nous avons donc ces deux conventions, donc le portage foncier qui autorise donc à racheter ou à faire racheter par un organisme désigné par nos soins sans condition à la fin de la période de portage de 4 ans. On a choisi une période de portage de 4 ans donc pour ce bien. La gestion du bien sera assurée par la commune sous son entière responsabilité. La commune s'engage à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisée au préalable par l'EPF. Vous avez à l'écran, je pense que tout le monde connaît, entouré en jaune, la surface intéressée par cette délibération, donc les deux parcelles. La commune s'engage à rembourser l'EPF à la valeur du stock au terme des 4 années de portage, ou si cette durée devait être prolongée sur 4 ans, 6 ans, 8 ans ou 10 ans. Donc ce sont les annuités qui seraient à rembourser.
La commune s'engage donc au paiement à l'EPF de Lens chaque année à la date anniversaire de la signature de la date d'acquisition des frais de portage qui correspondent à 1,5 hors taxe pour cent l'an du capital restant dû. Cette convention vaut promesse d'achat et de vente entre les parties. Donc là, il s'agit du portage foncier. Nous avons d'autre part la seconde convention qui est une mise à disposition par l'établissement public foncier de Lens à la commune de Belley, les biens objets de cette convention. Cette mise à disposition est faite à titre gratuit. Les deux conventions sont jointes aux délibérations. Les commissions urbanisme et la commission finance ont émis un avis favorable à cette signature. Donc nous vous demandons de bien vouloir donc approuver les modalités d'intervention de l'établissement public foncier de Lens pour l'acquisition des biens, accepter les modalités et le mode de portage de cette opération, et notamment les modalités financières, accepter les modalités de mise à disposition des biens en question durant le portage réalisé par l'établissement, on parlait donc ici d'une durée de 4 ans, et donner tout pouvoir au maire pour signer ces conventions et tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Marie-Hélène de cette application sur ce dossier. Alors comme on est des gens sérieux, qu'on a une vision, qu'on porte cette politique de revitalisation au quotidien et c'est le cœur de notre programme, on a déjà sollicité la parcelle 455. On va peut-être remettre à l'écran le plan pour mieux se rendre compte. 455, 458. 118, parce que comme on a un petit peu de vision, on se dit que ça serait intéressant quand même, d'un point de vue urbanistique, de récupérer cet ensemble et demain, évidemment, proposer un projet qui va venir requalifier tout cet ensemble et passer à autre chose sur ce secteur. Et on a besoin de retrouver, évidemment, une nouvelle vie, du qualitatif. Donc ça, c'est du temps, c'est de la négociation, c'est des contacts. Évidemment, ça ne se traduit pas dans le budget, puisque c'est porté aujourd'hui par l'EPF, l'établissement public foncier, notre partenaire qui est d'ailleurs, et je le souligne à chaque fois, un très bon partenaire pour la commune, qui fait du super boulot. Et avec eux, on va revitaliser cette ville. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci de nous soutenir dans cette politique. Deuxième, Madame Deschamps. Deuxième délibération qui porte sur une servitude temporaire de passage et qui se situe au niveau de notre centre technique municipal 136 rue Saint-Martin. Donc en fait, le tènement qui est situé à l'arrière du bâtiment des services techniques a été vendu et fait l'objet d'un projet immobilier. Jusqu'à présent, donc, les agents de nos services techniques avaient la possibilité de se stationner à l'arrière du bâtiment sur donc, une zone de 2 mètres qui appartient à la commune, étendue par l'ancien propriétaire à 1 mètre de plus, et donc pour pouvoir stationner, et également de pouvoir tourner autour du bâtiment existant pour ressortir, puisqu'il y a un sens unique de circulation autour de ce tènement. Donc du fait de la vente, nous avons souhaité bénéficier encore de cette servitude sur cette parcelle 357. Donc on voit, je pense que vous avez tous regardé le plan dans votre document du conseil municipal. Donc les petites choses en croix là, jaune représentent donc 1 mètre de large sur lequel nous avons le droit de stationner en épi au niveau des agents municipaux à toute heure et en tout temps, puisque nous devons intervenir aussi bien en journée, mais dans le cadre du déneigement ou autre astreinte, de façon à pouvoir tourner autour du bâtiment, en dessous de la partie bleue, qui est un autre lot et sur lequel nous n'aurons pas à aller. Et nous avons donc
conclu, enfin nous avons donc, nous vous proposons d'accepter cette servitude temporaire de façon à pouvoir circuler dans les véhicules. L'utilisation donc ne devra pas apporter de nuisance aux propriétaires du fonds qui s'appelle AR357, bien évidemment. Droit de passage concédé sans indemnité. Les frais notariés seront supportés par la commune de Belley. Présenté donc aux commissions urbanisme et à la commission des finances, il y a eu un avis favorable sur ce projet. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre ? S'abstenir ? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Dernière délibération concernant donc le projet grande instance. Il s'agit ici d'un avenant numéro 2 au compromis de vente. Donc le groupe Duval avec lequel nous avons signé un premier avenant en janvier 2021 nous a demandé en décembre 2021 de reporter d'un an la date de la condition suspensive concernant la pré-commercialisation. Avec donc la crise sanitaire, ils ont pris du retard dans leur pré-commercialisation. Aussi, il est proposé de reporter donc la date initialement prévue au 30 juin 2022 à la date du 30 juin 2023. Donc, une convention est jointe à la délibération, ainsi que le courrier du groupe Duval, qui vous explique donc tout le détail qui rappelle l'avenant numéro 1, mais qui précise les termes exacts de l'avenant 2, dont l'essentiel est le report de cette date. Est-ce que vous avez des questions ? La pré-commercialisation, c'est toujours 70%? Non, c'est 60. 60, il est 60 avec un minimum de 40 sur chaque... Alors, sur les logements, j'ai une petite annonce à vous faire, puisqu'on les a eu il n'y a pas très longtemps. On est sur la partie d'ancienne prison, hein, on est à 50% de commercialisation, donc ça marche bien, ils ont des très bonnes... sur les logements, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Ils vont aussi mener une action de communication assez forte un samedi matin pour sensibiliser la population sur les différents produits qui sont proposés sur cette zone. Donc bonne nouvelle pour les logements. Sur la partie tertiaire, c'est un peu plus compliqué, même s'ils sont en étude avec un acteur qui souhaite beaucoup de mètres carrés, mais il faut encore qu'ils signent. Mais évidemment, pour les entreprises, c'est jamais simple, parce qu'ils veulent tout de suite rentrer dans les logements et pas attendre... un an, plus d'un an, voire là 2 ans de temps de la construction. Donc moi, j'ai pas trop d'inquiétude, mais voilà, ils souffrent un peu plus sur la commercialisation du tertiaire, même si ils ont, entre guillemets, un gros client presque prêt à signer, mais voilà, ils sont prudents dans les annonces. Voilà, donc je n'ai pas trop d'inquiétude sur cette opération, et ça va dans le bon sens sur la commercialisation au niveau des logements déjà aujourd'hui. Voilà, projet Duval. Il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Merci à vous. La parole est donnée. J'en ai terminé pour l'instant. Merci Marie-Hélène. À Olivier Gondard pour troisième trophée du budget. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je vous propose ce soir de voter une subvention promotionnelle au profit de la cadence au titre de l'organisation du troisième trophée du budget, qui aurait dû avoir lieu, pour rappel, le 5 décembre 2020, mais qui, à cause du Covid, a dû être remis. À noter que la cadence est la seule association de danse de Belley ayant une section inscrite à la Fédération française de danse. Donc, à ce titre-là, elle a fait le tour de tous les partenaires privés. Elle demande également à la ville de Belley de venir soutenir cette manifestation à rayonnement régional, bien entendu, et qui amène plein de danseurs donc de l'ensemble du territoire français, et à ce titre-là, donc de demander une subvention promotionnelle à hauteur de 250 euros. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Oui.
Juste pourquoi accepter pour 250 s'il y a une demande de 325 €? Qu'est-ce qui justifie cette différence de 75 €? Alors là, honnêtement, je pense que c'est ce qu'on avait dû donner, me semble-t-il, l'année dernière, c'est ça, non? Bah, il y a deux ans, du coup. Et en fait, honnêtement, oui, là, je pense qu'on a reconduit ce qu'on a fait il y a deux ans, tout simplement. C'est... Alors, c'est une facture de... Oui, c'est une facture de... C'est une facture des coupes, en fait. On a eu la facture des coupes et puis des trophées remis. Et en fait, on s'est aligné. D'ailleurs, on était d'ailleurs assez étonnés du prix si peu cher au final pour la totalité des trophées. Donc, je pense qu'ils ont bien travaillé avec leurs partenaires pour avoir ça. Et en fait, on a reconduit la subvention d'il y a deux ans. Des abstentions, des contre, voté à l'unanimité. Merci. Dominique Canot. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir. Allez-y. À tous. Donc, la délibération du 20 avril 2011, par laquelle le Conseil municipal de Belley a autorisé la signature d'une convention d'autorisation de voirie et d'entretien entre la commune de Belley et la CCBS, anciennement dénommée de C3B, pour des travaux d'aménagement des voiries communales, des écassas, de la Rodette, la création d'une place et de parking public. Ah oui, c'est ça, oui. Conformément aux dispositions de ladite convention, la ville de Belley a engagé la totalité des dépenses relatives au marché des travaux et aux prestations de maîtrise d'œuvre. Les décomptes généraux définitifs sont les suivants: 1 329 055 hors taxes et 1 594 867 TTC. Il convient donc d'établir un avenant numéro 1 à la convention afin d'y faire apparaître le bilan et de déterminer la répartition définitive entre la ville de Belley et la CCBS. La ville de Belley, 735 139 TTC, la CCBS, 859 727 TTC. La CCBS a déjà apporté une avance de 728 503 TTC au titre de marché, travaux et de prestations de maîtrise d'œuvre relevant de sa compétence. La somme à facturer à la CCBS par la ville de Belley est donc de 131 223. Voilà, donc ça c'était une bonne nouvelle. Donc la commission des travaux et transports a émis un avis favorable, la commission des finances a émis un avis favorable. Y a-t-il des questions? Donc il faut autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention pour récupérer ces 131 000. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Voilà. Merci, Monsieur le Maire. Bon, c'est maintenant. Protocole d'accord, tripartite, CNR, Ville de Belley, CCBS. Dominique Canot. Sébastien. Sébastien. Caron. Pour les deux suivantes. C'est bon. Donc, bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous présenter donc, cette convention. Coupe ton micro, Dominique. Pardon. Je vous présente donc cette convention pour le protocole d'accord tripartite entre la CNR, la Ville de Belley et la communauté de communes Bugey Sud à la zone son activité de Lousson Sud. Donc, la CCBS souhaite réaliser une voie verte sur une partie de la voirie située zone de Lousson afin de relier la Viarona jusqu'au centre-ville. Cette voirie, qui dessert notamment les commerces, les établissements et les équipements publics, appartient à la CNR et est ouverte à la circulation. Donc, la CNR est favorable au projet de la communauté de communes, à condition que les collectivités compétentes, donc la ville de Belley et la communauté de communes, s'engagent à reprendre la totalité de la voirie et des réseaux divers, donc le VRD. Donc, pour cela, il convient d'établir un protocole de tripartite ayant pour objectif d'acter l'engagement ferme pour des bases de transfert des VRD sur la zone de Lousson et de préciser les conditions du dit transfert afin notamment de permettre à la ville de Belley de classer cette nouvelle voirie à son inventaire. Donc vous avez 6 juin ce protocole d'accord tripartite. Hein. Je vous ferai abstraction de lecture avec tout ce qu'il faut, le plan. Donc cette délibération est soumise au vote. La commission travaux et transports a émis un avis favorable et la commission finances a également émis un avis favorable. Donc, qui s'abstient? Qui est contre?
Il n'y avait pas de question particulière avant ? Donc voter à l'unanimité, c'est ça ? Vote à l'unanimité. Bonjour, merci. Merci, Sébastien. La délibération suivante concerne la convention de servitude avec Enedis. Donc c'est une convention, c'est ce que je vous disais, entre Enedis et la ville de Belley, qui est située dans rue Paul Cézanne dans le quartier de Tourneau, qui a pour but des travaux visant à entreprendre l'amélioration et la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique. Cette convention de servitude, que vous avez en annexe, a pour objet donc de définir ses conditions d'exploitation, de surveillance et d'entretien pour des parcelles qui sont les parcelles AX 119, 190 et 192. Donc vous avez sur le schéma suivant. Cette convention prendra effet pour toute la durée des ouvrages ou de ceux qui pourraient être substitués ou l'emprise existante sur le cas échéant avec une emprise moindre. Concernant cette convention, la commission Travaux et Transports a émis un avis favorable. Donc, c'est pour ça que vous êtes invité aujourd'hui à vous prononcer à ce sujet. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Sébastien. La parole à Annie Cluzel, adjointe à la culture, pour évoquer des subventions exceptionnelles. Monsieur Méran quitte la séance temporairement. Parce qu'on évoque la Chanteloup, son association. Cette délibération porte sur une subvention exceptionnelle qui est allouée à la chorale Chanteloup pour un concert qui aura lieu le 15 mai 2022. Pour rappel, c'est un concert qui devait avoir lieu en 2020, qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté en 2021, qui n'a pas pu avoir lieu. Donc on espère beaucoup qu'il aura bien lieu le dimanche 15 mai 2022. À la cathédrale. Donc, je vous invite également à vous y rendre. Ça sera certainement un très beau concert. Donc voilà, c'est simplement cette subvention exceptionnelle qui a été reportée et qui est de 600 euros. Voilà. Alors, est-ce que il y a des votes contre ? Une abstention ? Voter à l'unanimité. Merci. Donc, Monsieur Méran n'a pas participé au vote. On peut lui dire de revenir puisqu'on va évoquer maintenant l'harmonie. Allez-y, Annie. Donc voilà, c'est le même genre de délibération. Cette fois-ci, une subvention exceptionnelle allouée à l'Orchestre d'Harmonie de Belley pour un ciné-concert qui aura lieu le 2 avril 2022. Et voilà, c'est aussi un report, une manifestation qui avait été prévue en avril 2020, qui a été reportée en 2021. Et qui là, j'espère, ce sera en 2022, mais c'est bientôt, c'est samedi prochain. Donc voilà, je vous invite également à venir voir ce concert. Et là, toujours la subvention exceptionnelle qui avait été prévue de 600 euros. Voilà, je vous demande de bien vouloir la reconduire et de l'attribuer à cet orchestre. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Et remboursement, billetterie, et voilà, spectacle. Ensuite, voilà, un spectacle, le spectacle Les Ablocs, qui devait avoir lieu le 4 mars 2022, a dû être annulé parce que certains des artistes ont contracté le Covid. Donc, il a fallu rembourser, on va rembourser les personnes qui avaient acheté des billets. Et le remboursement des places est de 1554 euros. Avec le détail, il y avait 14 places en plein tarif. 56 places à tarif réduit. Donc, ce qui fait, on va rembourser donc 1554 euros aux spectateurs qui avaient acheté leur place. Très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? J'ai peut-être juste une petite interrogation. C'était quelle salle qui était concernée ? C'était l'intégrale. L'intégrale. Non, mais laquelle ? C'était quoi ? C'était La grande salle. Dans la grande salle ? Oui. Pour 70 personnes ?
Oui, ben, là, pour le coup, l'espace Rameau aurait été vraiment utile. C'est pas forcément adapté, c'était un spectacle, non, qui... La scène n'est pas adaptée. Il faut une scène, il faut un éclair, il faut de la technique, il faut... C'est pas toujours... voilà. Justement, c'est dommage. Et oui. Allez, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci, Annie. Merci. Et place à Nadine Thévenot, présidente de la commission commerce pour le règlement des ventes ambulantes. S'installer en centre-ville, donc on est content hein, parce qu'on n'a pas cette offre sur Belette. Donc on a décidé de revoir la réglementation actuelle avec le service placier, car jusqu'à présent, un seul lieu était dédié à cette activité, c'est-à-dire le parking de la gare, avec des horaires pas tellement appropriés. Ah oui, pardon, je voulais que le son. Donc, un nouveau règlement là, que vous avez reçu est proposé donc, aux membres du conseil municipal avec d'autres lieux de stationnement, avec des horaires adaptés pour éviter la concurrence au commerce existant. Les emplacements pourront être partagés afin d'effectuer une rotation des commerçants si plusieurs veulent se positionner et pas plus de deux commerçants sur un même lieu et avec des ventes différentes. Donc nous avons retenu les lieux suivants. Toujours donc le parking de la gare avec restauration rapide et commerce alimentaire. Le parking de l'intégrale le long de l'avenue Off avec restauration rapide, car en fait il y a une demande sur de la vente à emporter par le personnel de hospitalier, les boulistes et du public de l'intégrale. Ensuite, on a l'emplacement sous les Halles avec la place des terreaux où ce sera localisé en fait sous une arche à gauche. Pour du commerce alimentaire en matinée. Voilà, donc je vous demande de vous prononcer à ce sujet. Merci Nadine. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Un poissonnier, on a besoin, c'est bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci Nadine. Place à Marie-Hélène Deschamps. Pour la régie de l'eau et de l'assainissement, convention financière, avec la Chambre de l'agriculture de l'Ain. Merci. Parlez de nos bouts. Pour le micro. Donc parlons de nos bouts. En fait, ici, je vous propose une convention financière avec la Chambre d'agriculture de l'Ain, parce que la Chambre d'agriculture donc participe à la mission d'expertise et au suivi des épandages agricoles. La Chambre d'agriculture donc bénéficiait de subventions voilà, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et nous avons reçu un courrier qui nous demande maintenant au niveau des communes ou des intercommunalités qui ont la compétence assainissement, qui nous demande au niveau des collectivités qui ont de l'épandage de contribuer en plus de l'Agence de l'eau à leur financement. Voilà. Donc nous en avons parlé en conseil d'exploitation. Et nous vous demandons donc de débattre sur ce sujet. La participation de chacun des contributeurs est calculée au prorata de ses capacités épuratoires, bien sûr. Ce qui est demandé à la commune de Belet est au niveau de la régie de l'assainissement est un montant de 2106,91 €. Il faut lire sur la délibération un montant total de 50 000. Il a été indiqué 25 000, mais la contribution demandée par la Chambre d'agriculture s'élève à 50 000 euros par an. La convention est annexée également donc, à cette délibération. Donc les caractéristiques de la convention, c'est pour une durée d'un an, mais par tacite reconduction.
Ça peut s'arrêter évidemment par un courrier recommandé 3 mois avant l'échéance. Contribution annuelle demandée par la Chambre d'agriculture 2106-91, net de taxes. En contrepartie, donc, la Chambre s'engage à nous accompagner de façon plus qu'actuellement, puisque nous, pour l'instant, nous n'avons aucun accompagnement au niveau de la communication, pour expliquer aux habitants, pour expliquer donc, en quoi consiste l'épandage et quels en sont les avantages. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir donner votre avis sur ce projet de convention qui, si elle est acceptée, rentrera en vigueur au 1er janvier 2022. Des questions, Monsieur Salagnon. Oui, je voulais, à titre d'information, savoir ces boues sont répandues par les agriculteurs, j'imagine. Et c'est un produit, enfin c'est reconnu, c'est intéressant, c'est voilà, puisque. Donc en fait elles sont répandues par la régie, hein, par la régie de l'assainissement, qui a donc un contrat avec 2 agriculteurs. Voilà. Le plan d'épandage est défini par un ingénieur conseil dans ce domaine. Nous avons un plan donc de dépendage qui se situe sur la commune de Belay d'une part, mais sur des communes avoisinantes. Donc il y a trois campagnes par an d'épandage. Les boues de Belay sont réputées de très bonne qualité. Non mais c'est vrai. Nous avons pu rencontrer quelques inconvénients de liquide. De l'état des boues qui ont pu être parfois très liquides, c'est très odorante du fait donc de la liquidité. Voilà, très mal odorante. Mais en fait, donc le traitement, c'est le résultat de traitement de déshydratation et de chaulage des matières de boue qui sortent de la station d'épuration. Donc les campagnes d'épandage ont lieu 3 fois par an et se situent donc vraiment aux environs de Belay avec un matériel spécialisé. En fonction donc de ces résultats, donc nous avons droit à une prime d'épuration. Et on ne peut que regretter, le retrait partiel de l'Agence de l'eau qui finance moins bien cela. Donc c'est pour ça que je vous propose de répondre aux questions et de débattre avant d'éventuellement accepter cette convention. Parce que je me demandais, est-ce que toute la production de boue de la ville est traitée, en fait, c'est oui, ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Trouve une... D'accord. Moi, je vous invite tous ceux qui souhaitent visiter la station d'épuration, il faut en faire part à Pierre-Alain Perron, et puis on organisera une visite. C'est vrai qu'on n'avait pas pu le faire avec les périodes Covid et ainsi de suite, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire, c'est très intéressant. Et il y a un vrai suivi, justement, sur le contrôle de la qualité des boues, parce qu'il y a quand même une technicité et surtout un pilotage d'installation à faire. Donc je vous invite à vous présenter auprès de Pierre-Alain Perron, et puis on se montrera un petit groupe pour ceux qui sont intéressés. Très bien, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci Marie-Hélène. Avant les questions au Conseil, puisque les débats à l'ordre du jour, enfin les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, nous allons. Sylvie, tu souhaites annoncer là pour la. Je vais laisser la parole à Sylvie, puis après on laisse place aux questions. Simplement, je voulais vous annoncer que la soirée des jeunes talents aura lieu le 7 avril à l'espace Rameau. En fait, on est sur un petit format, tout simplement parce. Voilà, donc ça doit vous rassurer, Monsieur Smy. Voilà, on est en période d'examen, on a voulu relancer ça pour qu'il y ait un peu de dynamisme, mais on est sur une période de pré-examen avec des oraux, et puis les jeunes n'ont pas répété depuis un certain nombre de temps, donc on relance ça et on relance la machine. Voilà.
Et rendez-vous plus tard à l'intégrale sur une salle comble. On relance la machine et venez les encourager. Ce sera sympa le 7 avril. Très bien, on va laisser place aux questions. Première question, on va peut-être commencer par le réseau de chaleur, monsieur Karim Smi. Alors, c'est ma marotte, hein. Moi, à chaque fois je reviens avec ce sujet-là. Alors, juste pour donner un peu quelques chiffres, il faut savoir que donc l'ADEME gère le fonds. Enfin, le réseau de chaleur représente à peu près 7% des moyens de chauffage en France et l'État aimerait le multiplier, enfin, a mis les moyens pour multiplier ça par 5 d'ici 2030. Donc, ils ont créé le fonds chaleur qui est géré par l'ADEME. Et la dernière fois, je vous ai un petit peu alpagué sur les conseils et il serait bien que la ville de Belley s'associe donc avec l'ADEME car ils accompagnent les communes pour l'extension et ils pourront même intervenir sur un éventuel réseau de froid, c'est-à-dire dans la partie études. Et après, voilà. Je pense qu'il serait très bon, Karim. Alors, on est en contact avec l'ADEME, hein, surtout sur notre chaufferie. Il serait très bon pour la réunion bilan chaufferie bois, cher Richard, qu'on associe un membre de la minorité pour que vous preniez vraiment le sujet en main, le comprendre, les tenants, les aboutissants, même si certains de l'équipe ont participé à ce projet. C'est pas mal de. Et moi, je suis pas contre du tout de vous associer à ça. C'est important parce qu'il faut bien comprendre le sujet, à la fois. Quand on parle d'extension et quand on parle aussi densification des abonnés. On a un nouveau cabinet en plus qui nous accompagne, donc je demande à Richard qui a ce sujet en main d'ouvrir, vous nous dites qui souhaiterait du groupe venir, donc c'est Karim, tu seras invité, Karim, à participer à ça parce que c'est à la fois intéressant, ça t'intéresse tant mieux, et nous, c'est plus on vous impliquera dans ces sujets et moins vous aurez, enfin vous allez mieux les comprendre et puis aussi comprendre les différents enjeux associés à tout ça. Très bien. Deuxième sujet, monsieur Bernard Mérand. Oui, donc vous avez compris dans ma première intervention. Il a allumé le micro là, oui. Oui. Ouais, c'est bon. Vous avez compris dans ma première intervention que j'intervenais à la suite de votre réflexion sur la question des élus de la République. Tout ça pour vous dire que la conception de la laïcité dans notre groupe d'élus de la République, c'est la défense de la liberté de conscience et c'est la place des religions à égalité de droits et de devoirs au sein de la République. Il y a 45 000 clochers en France, il y a 300 carrés musulmans en France. Je crois que donner la possibilité à des Français musulmans d'enterrer leurs défunts selon leur rite est un gage de laïcité dans notre pays. Votre intervention sur les cénotaphes des tirailleurs marocains que vous avez évoqués laissent un peu rêveur. Je suis allé voir, moi, parce que je connaissais pas les lieux, et je connaissais pas l'emplacement. J'ai pu constater que ces stèles sont anonymes, c'est-à-dire qu'on a posé là des poteaux, je ne rappelle pas ça des poteaux, mais des sortes de cénotaphes. Et quand vous évoquez le fait de poser une plaque, je crois qu'on est bien d'accord pour donner un caractère c'est important. De solennel à ces personnes. Peut-être aussi, c'est une suggestion, on pourrait peut-être solliciter Abyss pour une recherche, rechercher les noms de ces personnes, mais peut-être. Alors, c'est le cas, hein. J'ai missionné Annie sur le cimetière, vous savez, on s'en préoccupe, et notamment chaque Toussaint, on est présent au cimetière, vous savez, pour la cérémonie, et il y a certaines plaques qui commencent à être illisibles. On avait le caveau Girard où il manquait une plaque aussi, on savait pas, les Belaisans passent devant ce bloc de béton, ils savent pas ce que c'est aujourd'hui, ils le savent. Donc demain, ça sera la plaque aussi de carré aux soldats. On était très ennuyés pour les tirailleurs marocains, qui n'est pas un mot, une écriture, à quoi ça correspond. Et j'ai missionné Annie pour justement qu'elle soit en recherche très active. Mais c'est un vrai travail. Mais je vais la laisser intervenir sur le dossier.
Oui, oui, c'est vrai, c'est un sujet qui est très intéressant. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Je mène mon enquête pour identifier ces personnes, savoir d'où elles viennent, pourquoi elles ont été enterrées à Belley, voilà, essayer d'identifier à quel moment, le pourquoi du comment. Donc j'ai fait des recherches auprès des archives de l'état civil. J'ai contacté aussi la gendarmerie pour savoir à quel moment ces gens-là, quels étaient les régiments qui étaient positionnés à la caserne de Sibuet à cette époque, pour savoir s'ils étaient bien dans les tirailleurs marocains, le 5e régiment, les RTM, etc. J'ai aussi contacté l'ONAC, qui est l'office des armées, pour avoir le maximum de renseignements sur toutes ces personnes. Donc on va bientôt avoir... l'enquête se précise et j'aurai bientôt tous les éléments à vous communiquer sur cet espace et sur ces personnes. Allez-y, monsieur Méran. Oui, les personnes de l'ABIS ne pourraient pas vous aider à ce travail-là? Non, je n'ai pas besoin d'ABIS sur ce sujet-là. J'ai tous les renseignements. Non, ce n'est pas utile. Je leur avais demandé au départ, avant de me lancer dans l'enquête, ils n'avaient rien dessus. Ils n'avaient pas de documents. Mais je suis allée directement à l'armée et à la gendarmerie, à l'état civil, dans les archives. Ouais, j'ai pu trouver ce que je voulais. Ma question, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens... Alors, j'ai déjà quelques éléments que je peux vous donner. Ce sont des gens qui ont été enterrés à Belley, entre les deux guerres. Ceux qu'on a pu identifier, c'est entre 1929 et 1939, mais c'est entre les deux guerres. Donc voilà, mais ils étaient sans doute à la caserne Sibuet, puisqu'ils faisaient partie d'un régiment, le 5e RTM, qui était positionné là pendant un temps. Donc je pense qu'ils sont décédés pendant leur temps d'être ici, Mais je cherche un peu plus aussi pour savoir, ils étaient tous marocains, on a pu identifier, on a leur nom, on n'a pas leur date de naissance, on a leur date de décès, et on sait qu'ils faisaient partie de ce régiment-là, Donc j'ai déjà quand même pas mal de renseignements, mais je continue un petit peu mon enquête, merci. Voilà. Allez-y, monsieur Méran, donc du coup, vous en avez fait le tour? Oui, oui. Très bien. Alors, on passe à la question de monsieur Salagnon. Oui. Eh bien, moi, je ne vais pas trop m'allonger cette fois. Je le fais d'autres fois. Mais parce que le sujet est un peu abordé, là, la question du carré musulman. Donc, je voulais savoir où est-ce qu'on en était par rapport à ça. Et je fais un lien avec ce que vient d'évoquer Madame Cluzel, c'est-à-dire que le nom de ces Marocains pourrait-il être écrit en caractère arabe, ce qui serait quand même intéressant dans le cimetière de Belley, d'autant que probablement qu'un jour ou l'autre, il y aura un carré musulman de toute façon. Monsieur Salagnon, vous avez de la chance avec cette équipe, elle s'y intéresse au dossier, et depuis le début. Donc ça tombe très bien. Vous voyez, voilà. On est attaché à ces stèles. On veut comprendre qui, quoi, où, comment. Et puis surtout, comme on sait qu'on a une population qui s'y intéresse, on a aussi des associations qui sont avec, que ce soit ABIS ou que ce soit la Société Savante, qui sont très actives. Il faut qu'on arrive à marquer en tout cas ce carré. Ensuite, pour vous évoquer, alors on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps, le carré musulman. Je voulais savoir où vous en étiez. Où on en est, mais vous aurez ce que j'ai dit la dernière fois, puisqu'on est des gens sérieux. Vous aurez, comme vous savez, le DOB que vous avez apprécié, et je vous en remercie à nouveau. Vous aurez une présentation claire de la situation du cimetière, des investissements nécessaires, de la réglementation, et puis aussi des études... hydrologique qu'on a lancé, donc on se fera. Alors soit on se fait ça en commission et vous venez comme on a invité Monsieur Bernard Méran à, par exemple, la tarification du conservatoire, comme on invite Karim Ismi à la chaufferie bois, et bien on fera certainement en commission une présentation avec un membre de l'opposition pour que vous soyez bien au clair aussi sur ce sujet qui, comme je l'ai dit, depuis quelques peut-être décennies n'a pas été investi par les élus, et je peux le comprendre, ou pas assez. Alors, peut-être pas, Philippe, vous avez dû faire plein de choses, j'imagine,
comme nous, on n'a pas fait grand-chose, vous avez évidemment fait certainement plein de choses, mais nous, on essaye de reprendre pour faire les choses bien. C'est vrai que je prends la parole pour mon voisin Philippe Rodriguez, qui est agacé de ces répétitions lancinantes, un peu infantilisantes d'ailleurs de votre part, et c'est vrai que je comprends son départ. Écoutez, vous savez, un, il n'y a pas d'attaque personnelle auprès de la personne de Philippe Rodriguez. Moi, j'ai eu des attaques personnelles, je vais vous dire, ce n'est pas celle-ci. Premier point, je n'attaque pas la personne, je souligne le travail, parce que c'est du travail ici. Donc, et je pense que quand vous l'avez envoyé au combat sur le DOB, vous étiez pour vous présent, je pense que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Donc il y a un moment, il faut aussi remettre les choses à leur place. Vous n'étiez pas au précédent mandat, vous n'avez pas connu les ambiances qu'on a connues avec Jean-Marc Fonini. Ça a été des mandats très difficiles, douloureux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de mettre quelque chose d'assez sain avec l'opposition. On essaye de poursuivre dans ce sens. Voilà, il y a un moment, il faut faire aussi attention quand on... Parce qu'il y a aussi des attaques frontales assez fortes, alors que je pense qu'on essaye d'être le plus transparent possible, mais c'est aussi votre jeu, et je l'entends, de pouvoir vous exprimer. Vous le faites, c'est très bien, mais il y a des choses, quand on nous dit qu'on ne fait rien, qu'on n'a pas de cap, qu'on n'a pas de politique, ça fait un peu fort de café, excusez-nous si on a le droit un petit peu de répondre, même si j'essaye de le mettre... plus de mesures possibles, parce que j'ai connu des débats ici en conseil municipal, on était très éprouvés en repartant. Mais ce n'est pas l'ambiance qu'on essaye d'initier. Mais je pense que vous le soulignez quand même un petit peu, mais ce soir, avouez que ça a tapé un petit peu fort. Et surtout, des fois en commission, on se retrouve un petit peu tout seul, ce qui est des fois un peu gênant, monsieur Salagnon. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'opposition belaisane doit être présente, parce qu'on a besoin aussi de votre regard. Vous avez des réflexions intéressantes sur différents sujets. On sait que vous êtes animé par des thématiques fortes. Vous avez aussi des compétences en la matière. On a besoin de cette opposition dans le cadre de nos commissions pour débattre. On ne peut pas venir en conseil municipal pour nous dire « on ne fait rien » alors qu'on nous dit qu'on a fait un bon DOB. Et alors que les gens ne sont pas toujours présents. Bon, on essaye d'associer, voilà, M. Mérange, j'en suis ravi, il nous a fait une lettre, c'est passé par le Belémag, même si on avait quand même l'idée de l'inviter, parce qu'on travaille sur la culture pour tous, eh bien il va être présent, c'est très bien, Karim, chaque conseil municipal évoque la chaufferie, c'est un sujet qui l'anime, eh bien tant mieux, eh bien on va essayer de l'accompagner, de vous ouvrir là-dessus. Voilà, est-ce qu'il y a... Enfin, je ne vais pas faire de polémique, mais je crois que vous n'avez pas entendu notre objection. Mais vous aurez tout sur le cimetière. Sur le cimetière, vous aurez tout. Hein. Mais non, c'est pas ça. Sur la nature de notre opposition au budget, c'est pas du tout ce que vous interprétez. Là. Bah alors, expliquez-moi. Là. Non, mais c'est pas si simple. C'est bien ce que j'ai entendu. Il y a les enregistrements. On n'a pas de cap, on n'a pas de vision. Non, mais vous simplifiez. C'est pas ça. C'est ce qui a été dit quand même, monsieur Salagnon. Je ne sais pas, non. On me dit de laisser tomber. Que c'est... Ah bon. Non, mais voilà. Donc, honnêtement, monsieur Salagnon, moi, je veux... Et je comprends votre positionnement. Il faut que vous puissiez mener votre opposition. Mais il y a des moments, quand ça pousse un petit peu, il y a aussi une réponse du maire. Ça me semble quand même légitime. Et honnêtement... J'aurais pu partir à de nombreuses reprises sur certains conseils municipaux dans la précédente mandature parce que, honnêtement, moi, j'ai eu des vraies attaques personnelles. Non, oui, mais alors... Et moi, j'attaque jamais les personnes, j'attaque le travail ou la politique en règle générale. Comme on s'est expliqué avec M. Mérand sur le carré musulman, on s'est expliqué, c'est très bien, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est tout. Non, mais allez, alors... J'entends ce que vous dites, c'est plutôt intéressant, mais j'aimerais bien quand même qu'on arrête de nous associer aussi à Jean-Marc Fonini. Alors en effet, on a fait l'association... Je vous le dis, à chaque fois vous nous en parlez, c'est toujours Jean-Marc Fonini, mais je sais pas, c'est le diable incarné cet homme. Mais excusez-moi, est-ce que j'en ai parlé ce soir? À l'instant, là, vous en parlez, c'était très dur, et donc du coup, comme c'était dur avec lui, vous nous en mettez plein la gueule. À un moment donné, il me semble qu'on essaie quand même de développer une réflexion, on essaie de développer aussi une vision, on n'est pas dans les attaques personnelles à chaque fois. On est présent, pas moi, mais certains le sont un peu plus, en commission.
Enfin, voilà, on essaie quand même d'avoir une opposition constructive. J'essaie de vous donner quelques pistes, éventuellement, avec ma participation, comme ça, ma modeste participation. Voilà, le but, c'est pas de se pourrir la tête, c'est de faire avancer les choses. Ouais. Et en effet, je suis désolé, mais pour moi, votre vision d'avenir, elle est sur de la gestion, et uniquement de la gestion. Alors c'est sûr, on aura plein de pognon, et ça c'est génial, on a vraiment plein d'argent dans les caisses, mais il y a zéro vision. Les gamins, ben, ils ont toujours un bout de skatepark un peu tout nul. Il y a encore des gamins qui squattent en centre-ville, qui font du bruit, qui embêtent tout le monde. Mais parce que, est-ce qu'on leur trouve d'autres solutions pour pouvoir un peu bouger ces gamins Karim, il y a des endroits où, vous savez, il y a des municipalités qui ont laissé ouvert les gymnases la nuit, par exemple, pour les gamins. Et il n'y a pas de débordement et il n'y a pas de problème. Et voilà, parce qu'on leur fait faire du sport, et c'est sûr, on les responsabilise et ils font des choses. Voilà, enfin. J'entends, Karim, 5,5 millions sur le projet Plaine Sportive. Voilà. Mais après, c'est. Je peux juste intervenir ou pas? Oui, Olivier. Karim, tu seras invité, je t'ai vu en privé, en plus. Je veux que tu viennes à la commission, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont discutées sur la prochaine plaine sportive, qui vont apporter des réponses sur la politique donc de la ville. Alors moi, je n'ai pas vraiment participé à l'écriture de la politique de la ville. Je sais que Jean-Michel est en train de l'écrire. Mais quand on parle de mixité, quand on parle de ville formatrice en sport, quand on parle de sport pour tous, moi, ça fait écho à ce que vous dites. Donc on va pouvoir construire ensemble un vrai projet pour la ville, un projet de territoire. Moi, j'entends avec bien de bonheur que le sport fait partie justement des choses qui vont faire du bien à tout le monde. Et malheureusement, nous, on va porter, là, en l'espace d'un mandat, voire deux, ce qui n'a pas été fait depuis 30 ou 40 ans. Donc en effet, moi, je peux comprendre que ça n'aille pas suffisamment vite. Et là, moi, je suis comme ça. Moi, je ronge un peu mon frein parce que ça fait un an qu'on travaille un petit peu en boucle. Et enfin, ça va devenir opérationnel. La plaine sportive va répondre à beaucoup de questions. Donc je t'attends en commission. Très bien. Et puis, je regrette le départ de Philippe Rodriguez, c'est bien dommage. Bon, si je m'étais offusqué avec tous les posts qu'il met sur Facebook, je me serais parti plusieurs fois aussi de plein d'endroits. Donc, on va clôturer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et au prochain conseil municipal. Merci.